Quel silence. Vous avez vu qu'il était 30, alors vous vous êtes dit, ça y est, la présidente doit parler. Bon, vous avez raison, je dois parler maintenant. Donc, je vais juste voilà, recharger mon GSM et je commence. D'abord, je voudrais vous dire bonjour à toutes et à tous et vous souhaiter bienvenue ici au Parlement francophone bruxellois. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir aujourd'hui la Fédération des services bruxellois d'aide à domicile pour un nouveau jeudi de l'hémicycle. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitués des jeudis de l'hémicycle, mais juste pour vous dire comment ça se déroule, c'est on ouvre les portes du Parlement francophone bruxellois aux associations, aux acteurs, actrices de terrain, aux professionnels, parfois aussi à des citoyens, citoyennes, pour faire émerger des problématiques, pour prendre le temps de les traiter, d'y réfléchir, et ça nourrit et ça enrichit le travail après des parlementaires, parce que du coup, notre travail est ancré dans les réalités que vous nous avez ramenées ici au Parlement, et donc vraiment ces débats, ces moments de réflexion sont vraiment très importants pour nous parlementaires. Alors, on va donc partir de votre expérience, de vos expériences, de vos constats, mais également de vos recommandations et pistes de travail pour que par la suite, nous puissions faire un travail parlementaire et voir s'il y a un suivi qui doit être fait à la suite de ce jeudi de l'hémicycle. En tout cas, à chaque jeudi de l'hémicycle, on se pose systématiquement la question de quel sera le suivi qu'on peut faire éventuellement. Soit par des interpellations auprès des ministres concernés, soit par un travail parlementaire de type résolution. Voilà, en tout cas, on essaie quand même d'apporter un suivi au travail qui sera fait aujourd'hui. Alors, ce matin, c'est un secteur qui est assez particulier parce que je trouve qu'il joue un rôle primordial dans notre société, tout particulièrement pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. Et grâce aux travailleuses et aux travailleurs qui vont auprès des personnes porteuses de handicap, de personnes âgées, désireuses de garder une certaine autonomie, de rester à la maison, ils ont la possibilité de s'y faire soigner, de bénéficier d'une aide, d'un accompagnement. Vous savez aussi que pour certains patients, les travailleurs et les travailleuses des services d'aide et de soins à domicile sont leur dernier contact avec d'autres personnes, évitant alors de vraiment sombrer complètement dans l'isolement. On sait que c'est quelque chose qui est extrêmement important et ce dernier lien avec des personnes, ces personnes qui viennent chez elles, est un lien vraiment très très important. Je sais que la vague d'épidémie du Covid a été une période de grand chamboulement pour les services et a été une période très complexe aussi pour les travailleurs et travailleuses et peut-être que vous nous en parlerez aussi ce matin. Alors, je pense que c'est aussi important qu'on ait ce moment d'échange aujourd'hui parce que ça permet de mettre en lumière la réalité du quotidien des travailleurs et des travailleuses qui se retrouvent souvent plongés aussi dans l'intimité des patients, dans leur environnement, parfois dans leur famille. Et c'est souvent avec beaucoup de discrétion, d'humanité et de respect que vous prodiguez soins, aide et accompagnement. Et je pense que nous devons y être conscient, peut-être parfois plus conscient de cette réalité et d'en être reconnaissant. Et donc, voilà, merci pour d'être venu, de pouvoir partager ces quelques heures ce matin ensemble. Je sais que certains groupes politiques étaient vraiment très demandeurs d'avoir ce moment aussi. Voilà, je crois que ça va être très riche de réflexions et aussi, je pense, de recommandations pour nous. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais laisser la place à une troupe de comédiens et de comédiennes, je pense, qui nous feront le plaisir de nous jouer une petite scène qui s'appelle Les Invisibles. Thank you.
Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Je suis Soraya. J'entends une aide familiale, ne me dérangez pas. Je suis l'aide familiale, monsieur. C'est impossible. Vous êtes noir. Ah, excusez-moi, monsieur. Moi non plus, je ne m'attendais pas à me trouver devant un blanc. Maintenant, je dois vous dire qu'au service, les quelques blanches sont déjà toutes occupées. Ça sera donc moi ou personne d'autre. Ah. Ah ça, je ne veux pas, hein. Vous voulez ma mort ou quoi? Allez, monsieur. Pour vous, moi, je veux bien mettre sur mon visage un peu de poudre blanche. Je ne veux pas quelqu'un comme vous chez moi. Je suis malade. Et je préfère quelqu'un d'autre. Ne vous en faites pas. De toute façon, je suis quelqu'un d'autre. Bon, je vous préviens, hein. J'ai besoin d'une personne propre. Bien élevée. Qui sait nettoyer et faire le ménage. Une personne convenable. Rassurez-vous, monsieur, nous avons suivi une formation pour ça. Une formation. Comme s'il fallait une formation pour faire le ménage. Encore une nouveauté sans doute. En tout cas, c'est pas comme ça que je vais retrouver la santé, moi, hein. Se taire et savoir se tenir devant les gens grossiers fait précisément partie de la formation. Heureusement, la plupart du temps, cela se passe autrement avec les dames. Oh! Vous m'avez fait peur avec votre accent. Vous me faites penser à... je sais plus. Bonjour. Bonjour, madame. Moi aussi, j'ai peur. La première fois surtout, quand je me présente à la porte. Mais peut-être que nous allons mieux nous comprendre si nous avons peur toutes les deux. Qu'en dites-vous? Mais c'est ma fille qui devrait être ici, pas vous. Je n'ai besoin de rien. Tout est en ordre. Merci. Je suis donc venue pour rien. Voulez-vous que nous parlions quelques instants de votre fille ou d'autre chose? Et moi, je prendrais bien un café. Il fait si froid ce matin devant la porte. Je suis vraiment désolée. Si j'avais été prévenue de votre visite, j'aurais préparé un petit déjeuner. Voulez-vous une banane à la place? Moi, j'aime aider les gens. Et puis, un jour, ça m'est tombé dessus. Et parfois même, j'en rêve la nuit. Bref, pour revenir à cette brave dame chez qui je vais, il y a la souffrance chez elle. Elle n'a plus envie de rien, ni d'appeler ses enfants, ni même de parler parfois. J'ai beau l'encourager en lui disant « Allez, madame, quand ça ira mieux et que vous auriez envie de faire une chose agréable, laquelle ferez-vous en premier ?» Elle me sourit alors gentiment et reste songeuse. Voilà. Moi, je dors plus la nuit. J'en peux plus.
J'arrive même pas à rester assise ou bien debout. Ou à faire la moindre chose. Avec le problème d'ascenseur en panne qu'ils ont, c'est vraiment pas adéquat par rapport à certaines situations. Ces derniers temps, elle va pas bien. Elle reste au lit toute la journée et elle répète sans cesse. À quoi ça sert de vivre comme ça? Tout mon corps me fait mal. C'est plus supportable. Évidemment, quand on a monté et descendu les escaliers toute sa vie, il faut plus s'attendre à courir comme un lapin. Hein? C'est pas tout de prendre soin de son corps. Encore, faut-il être à son écoute et lui parler comme à une vraie personne et lui demander « De quoi as-tu besoin maintenant pour te sentir mieux ?» Et d'une petite voix comme ça, votre corps répond doucement « J'aimerais me sentir touché, caressé, massé, réchauffé. L'autre jour, fort déprimée, la vieille dame me demande « Soraya, est-ce que vous voulez être ma fille ? Un instant, ma petite Claire, ma Clairette. Il faut simplement me parler comme à votre mère, de tout et de rien, s'il vous plaît. » Elle prend alors ma main, ferme les yeux et murmure. Ma petite Claire, ma chérie. Alors je lui ai raconté mon week-end, mon bébé, mon mari et tout. Elle n'a pas réouvert les yeux et a répété sans cesse. Ma petite Claire, ma chérie. Moi j'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait sa petite Claire, partie à l'autre bout de la terre. La dame m'a offert un portrait d'elle, en disant que je lui ressemblais. J'ai pas très bien compris s'il s'agissait de la mère ou de la fille. La photo datait un peu. Ah, il n'y a pas vraiment d'air de famille, hein. Vous ne trouvez pas? Elle voulait peut-être dire autre chose. Parler du cœur, sans doute. Après, elle s'est calmée, en murmurant des mots d'amour destinés à sa fille chérie, qui ne pouvait plus tenir la main de sa mère de si loin. Moi, j'ai continué à lui parler, longuement, doucement, de presque tout et de presque rien. Et à la fin, je lui caressais le visage en l'appelant maman. Et je voyais dans ses yeux brillants la petite fille heureuse qu'elle avait dû être. Et ça, ça me ressemble. Je suis restée avec elle. Je ne pouvais pas la laisser seule comme ça. Je devais être présente. C'est peut-être ça l'amour. Mais c'est quoi l'amour exactement?
Je vais demander à monsieur Michael Bertrand, Michael de Clercq, pardon, et monsieur Jacques Bertrand de se présenter pour expliquer en 5 minutes la pièce de théâtre. Venez ici, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez vous adresser. Comme ça, vous pouvez vous adresser à tout le monde. Tout le monde peut vous voir. Venez ici, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Ici. Et les micros sont allumés, donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Je ne vais pas être proche, ça va. D'accord. Nous vous remercions et nous sommes un peu désolés de la qualité de l'image, du mouvement, du son, parce que tout cela s'est fait de manière très artisanale et en réalité, évidemment, il y a une présence, alors qu'ici nous sommes dans une petite boîte et voilà, les conditions sont un peu limitées. Mais justement, c'est le but de la pièce et nous allons essayer de la définir en une seule phrase pour aller vite. L'aide familiale en cas d'urgence sociale. C'est un peu la définition de notre travail et du sujet d'aujourd'hui. Elle peut être conçue de manière minimale. Et vous en avez eu un petit exemple ici. L'aide sociale peut être une aide matérielle, c'est du nettoyage. Ça peut être une aide méprisée par tous, par le bénéficiaire et par nous en premier lieu. C'est parce que nous avions méconnu, rejeté presque cette aide familiale que nous avons fait l'expérience du théâtre que vous avez pu apercevoir quelques instants. Nous sommes en fait enseignants à la Haute École Prigogine dans le domaine des sciences humaines appliquées, c'est-à-dire dans l'aide sociale, la sécurité sociale, la solidarité en général dans une société, avec des professionnels, des spécialistes que nous aidions à former, c'est-à-dire des assistants sociaux, des éducateurs, des ergothérapeutes, des musicaux ou des arts thérapeutes. Et évidemment, nous ignorions tout à fait les aides familiales qui, pour nous, étaient plutôt voilà, des nettoyeuses avec un travail primordial, mais qui n'étaient pas sociales. Et un jour, dans un CPS, nous avons été invités à former des aides familiales, donc dont nous ne connaissions pas le travail à part dans nos préjugés. Et à ce moment-là, tout a commencé. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ces personnes qui n'étaient pas formées dans les écoles, dans les universités, mais qui étaient formées dans des centres spécialisés, ces personnes nous ont appris beaucoup plus de choses que nous pouvions leur apprendre. Parce que sur le terrain et dans ces écoles et dans leur travail, ces personnes font une démarche tout à fait spécialisée qui est beaucoup plus complexe ou autrement complexe que le travail des spécialistes du style assistants sociaux. Effectivement, ce sont des gens qui sont amenés véritablement à entrer dans la vie des personnes bénéficiaires. Alors que les spécialistes passent dans leur vie quelques instants, en assistant social une heure, un psychologue peut-être un petit peu moins, etc. Donc ce sont des gens qui sont amenés à découvrir les problèmes les plus infimes et les plus importants. La dernière séquence en est un exemple. On les appelle, et on ne sait pas quelle est leur identité véritable, ni leur formation, on les appelle pour nettoyer, et en réalité, ils deviennent les confidents les plus intimes
et en même temps les plus professionnelles des personnes qu'il rencontre. Et c'est là tout l'enjeu, le défi et la difficulté, et pour nous, la réussite de ces professionnels. C'est que, tout en faisant un travail, entre guillemets, ordinaire, elle réalise une mission tout à fait extraordinaire, à savoir accompagner des gens, non seulement dans le quotidien, mais dans le long terme. Et en cela, et je crois que la pièce veut en être un exemple, ce sont des personnes qui sont vraiment des spécialistes, je veux dire, de l'humanité. Un travailleur social est un spécialiste de l'action ponctuelle, sociale, humanitaire et tout, mais ces personnes-là accompagnent véritablement, je vais dire, presque du début à la fin, les différents bénéficiaires, avec une formation de base limitée en temps, mais des formations continuées, des expériences de rencontres entre groupes avec les pairs, avec les responsables, qui font que leur expérience devient tout à fait inoubliable et peut-être une leçon à donner à tous les travailleurs sociaux et, je dirais, à toute la société, puisque ce sont des relais vers une humanité qui est soulagée, en quelque sorte, non pas guérie, puisqu'elles accompagnent jusqu'à la fin de vie, mais une humanité soulagée et qui nous rassure parce que, tôt ou tard, nous aurons sans doute peut-être affaire à ces spécialistes, je ne dirais pas de la fin de vie, parce que, et nous terminerons, il y a des expériences où des jeunes ne peuvent plus vivre pour un accident, pour une raison quelconque, physique ou mentale, et ces jeunes personnes sont aidées également par des aides familiales qui viennent là où tout est arrêté. C'est-à-dire que le ménage, ce sont des personnes qui viennent faire le ménage, mais le ménage est arrêté au sens maximal du terme. Il n'y a plus de ménage, il n'y a plus de vie, non seulement parce que le quotidien est empêché, mais parce qu'aussi la solitude dont vous parliez, la solitude est telle, les ennuis sont tels, qu'il faut vraiment un déclic et, bien sûr, un suivi important. Voilà, donc nous vous invitons à revoir ce spectacle dans de meilleures conditions, tôt ou tard. Voilà, et à ce sujet, donc, le spectacle reprendra en 2023, et notamment à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek au mois d'avril prochain. Et si ça vous intéresse, nous avons des petits flyers d'annonces que nous pouvons vous donner. Voilà. Un petit mot encore quand même sur le choix des séquences et le spectacle. Le choix des séquences, on l'a vu, la première scénette, c'est, on l'intitule « À la porte », c'est-à-dire qu'au moment où les aides à domicile arrivent pour la première fois chez leurs bénéficiaires, eh bien, il y a parfois une communication difficile où la rencontre est inattendue, tant pour le bénéficiaire que pour l'aide à domicile. Et ça demande, finalement, on le voit bien dans la scénette, tout un savoir-être à côté du savoir-faire de l'aide à domicile. Et à ce sujet, d'ailleurs, grâce à la FSB, il y a toute une série de formations qui sont données aux différents services de la région bruxelloise pour justement non seulement recueillir ce savoir-être, mais l'amplifier et le partager surtout entre toutes les participantes et les participants, parce qu'il y en a aussi, à ces formations. Voilà. Et le spectacle, bien sûr, ne, ne,
ne vise pas, n'a pas la prétention d'être une radiographie du métier d'aide à domicile, mais ce qu'il met en avant, c'est justement ce dont Jacques a parlé, ces phénomènes de solidarité dans ce qu'on appelle les failles de la vie, c'est-à-dire qu'à tout moment, nous pouvons un jour, il ne faut pas l'oublier, être à la fois aidant et à la fois aidé. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup et laissez-nous les flyers pour le spectacle, on les distribuera aux députés. Je pense que c'est vraiment important qu'on puisse, en effet, pour ceux que ça intéresse, mais je suis sûre qu'on sera plusieurs à y aller. Et donc on organisera peut-être alors un moment pour venir voir ce spectacle dans sa globalité. Parce qu'en effet, ce qu'on a vu était vraiment déjà assez frappant. Alors, je ne sais pas à qui je dois passer la parole pour la suite. À moi. Eh bien alors, tout va bien. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses à cette invitation. Donc, je me présente. Je m'appelle Dikra Charadi. Je suis l'actuelle responsable de la Fédération des services bruxellois d'aide à domicile depuis le mois de décembre 2019. Donc, je vais vous présenter en quelques slides la fédération et le travail qui est effectué par notre fédération avant de céder la parole au prochain intervenant. Donc, j'ai retracé ici les grandes lignes qui ont marqué l'évolution de la Fédération des services bruxellois d'aide à domicile depuis 1940 à ce jour. Donc, vous verrez dans la ligne du temps les débuts des soins infirmiers en 1940. En 1945, les premiers services d'aide à domicile qui sont apparus. L'établissement du cadre légal en 1949, le changement de nom de la Fédération en 1973, la création de la FSB en 1974, de la future FSB, puisque nous n'étions pas encore une fédération à ce moment-là. En 1980, le transfert des compétences aux communautés et aux régions, et ainsi, cette date a aussi marqué la fin de l'âge d'or du secteur de l'aide à domicile. En 1992, les services ont été confrontés à un contingentement d'heures. Donc, c'est l'actuel contingent qui est soumis, enfin auquel les services sont tous soumis. En 2000, les premiers accords non marchands. En 2001, les titres services, nos principaux concurrents au niveau du travail qui est effectué tous les jours. En 2005, la deuxième vague des accords non marchands. En 2007, le décret COCOM. En 2009, le décret ambulatoire COCOF. En 2010, le troisième accord non marchand. En 2014, le mémorandum. S'en est suivi en 2018 les troisièmes accords non marchands et aujourd'hui nous sommes en plein, encore une fois, accords non marchands qui sont actuellement en cours au niveau des fédérations et des pouvoirs subsidiaires qui nous représentent. Donc voilà, au niveau de la Fédération des services bruxellois d'aide à domicile, donc nous avons approximativement 27 services d'aide à domicile qui sont affiliés. Dans ces services d'aide à domicile, on retrouve à la fois des services d'aide à domicile, mais aussi un service de garde à domicile. Ces services d'aide à domicile sont financés par la COCOM, la COCOF et la VGC. Donc tous ces pouvoirs subsidiants octroient des subventions à ces services-là pour qu'ils puissent effectuer le travail quotidien qui a été expliqué justement dans cette pièce de théâtre. Donc, on est actuellement une fédération atypique puisqu'on ne représente que des services d'aide à domicile qui sont actifs sur la région bruxelloise. Donc, ces services d'aide à domicile sont soit des services d'aide à domicile privés, donc sous forme d'ASBL, soit des services d'aide à domicile public qui dépendent actuellement de CPAS. Donc, nous ne sommes pas rattachés à un parti politique en particulier, puisque nous sommes considérés comme une fédération apolitique. Nous sommes donc subsidiés par les trois communautés et nous sommes bilingues, puisque nous sommes également subventionnés en partie par IRISCARE, qui est une institution bicommunautaire et bilingue.
Donc voilà. Actuellement, la FSB est composée pour tout le travail que nous effectuons de deux équivalents temps plein. Donc moi en tant que responsable et notre juriste qui effectue un travail quotidien au niveau des mandats de la FSB. Il faut savoir qu'au niveau des mandats, on occupe actuellement approximativement 12 mandats politiques, sans compter tous les groupes de travail auxquels nous participons pour faire évoluer le secteur. Au niveau de la répartition des compétences, vous constaterez qu'avec la 6e réforme de l'État, on a eu énormément de modifications au niveau des politiques de soins de l'aide aux personnes âgées et que les entités fédérées sont devenues officiellement compétentes pour ces matières depuis le mois de janvier 2019, précisément le 1er janvier 2019. La commission communautaire commune est compétente en région bruxelloise et fait le trait d'union entre les deux autres commissions qui assurent à Bruxelles les compétences communautaires. Donc la COCOF du côté francophone, le Vlaamsgemeenschap Community du côté flamand. Cette répartition des compétences ou cette fragmentation des compétences amène à des situations compliquées, notamment dans le cadre des agréments des services à domicile qui ne sont pas équivalents entre COCOF et COCOM. Il faut savoir qu'il y a énormément de disparités entre les services qui dépendent de la COCOF et les services qui dépendent de la COCOM. Notre travail à nous, au quotidien, c'est d'essayer de faire en sorte que les services qui dépendent ou qui sont agréés par la COCOF et par la COCOM soient mis le plus possible sur un même pied d'égalité, notamment au niveau des financements qui ne sont pas les mêmes d'un service à l'autre. Les missions de la FSB sont reprises ici. Donc, on a une mission au niveau du développement des contacts. Donc, nous mettons en place des réunions entre les différents directeurs de services, de chaque service, qu'il soit COCOF ou COCOM, afin de pouvoir mettre en avant tout ce qui est fait actuellement par la fédération et tout ce qui est poussé par les directeurs de services qui font partie de notre commission, de notre conseil d'administration. Nous assurons également la représentativité des services face au pouvoir public, face au pouvoir subsidiant et face à tout autre représentant qui pourrait apporter un plus dans l'évolution de notre secteur. Nous avons également le rôle d'informer les services sur leurs droits et obligations. Donc c'est un rôle qu'on prend très au sérieux parce qu'avec l'évolution du secteur, on se retrouve souvent face à des directeurs de services qui nous demandent quoi faire quand on reçoit un arrêté ou comment le mettre en application, etc. Donc on travaille à la valorisation des fonctions liées à l'aide à domicile, donc notamment par le biais du spectacle invisible et aussi parce que nous estimons que le secteur de l'aide à domicile est un secteur qui, en plus d'être omniprésent sur le territoire bruxellois, est un secteur qui est indispensable et qui prodigue des soins indispensables aux bénéficiaires les plus fragilisés sur la région bruxelloise. Nous organisons également des formations continuées, donc les mêmes formations. Ces formations continuées que nous organisons au quotidien sont des formations qui permettent aux aides familiales de pouvoir continuer à effectuer leur travail le plus sereinement possible et de pouvoir avoir toutes les clés en leur possession pour pouvoir avoir cet esprit critique et pour pouvoir appréhender au mieux les situations qu'elles rencontrent. Nous réalisons et participons également à des études. Donc, je ne peux plus compter le nombre de groupes de travail auxquels nous participons actuellement afin d'améliorer tout le secteur non marchand dans son ensemble, en plus de notre secteur d'activité. Et nous développons une coordination avec les autres organismes représentatifs de l'action sociale à Bruxelles et entretenons des relations avec des organismes étrangers. Pour l'instant, le développement de la coordination se fait principalement avec des acteurs du secteur public, donc comme IRISCARE, comme Actiris, Bruxelles Formation, et j'en passe. Donc, enfin, la fédération pourra également créer, gérer et ou participer à tout organisme lui permettant d'atteindre les buts qu'elle s'est fixés. La fédération pourra prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à ses buts et réaliser toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à ceci. Il faut savoir qu'étant en sous-effectif, ça nous demande une charge de travail considérable. On essaye de faire au mieux pour remplir toutes ces missions au maximum et on ne compte plus nos heures de travail.
Donc, l'essentiel du financement de l'aide à domicile provient des enveloppes budgétaires COCOF et COCOM. Actuellement, nous sommes agréés par la COCOF et nous recevons un budget, un subside annuel de la COCOF. Nous recevions également un subside annuel de la COCOM en la personne de Iris Kerr, mais ce subside s'est arrêté. C'est arrêté puisque les règles ont changé au niveau d'Iris Kerr. Donc, ça va être très difficile d'engager du personnel supplémentaire. Par ailleurs, et suite aux accords non marchands, on parle à présent d'un financement basé sur des heures contingentes. Donc, encore une fois, il y a une différence entre ce qui est fait en service COCOF et ce qui est fait en service COCOM au niveau du contingentement d'heures. Mais je laisserai cette partie de financement à M. Skadek qui prendra la parole juste après moi. Donc, dans les forfaits qui sont repris dans ce financement, on retrouve notamment les charges patronales correspondant au task shift, qui sera ensuite réinjectée dans le budget alloué aux rémunérations des travailleurs selon leur catégorie barémique. Les barèmes des travailleurs sont différents entre les services COCOF et les services COCOM, et on constate que ce contingentement d'heures ne correspond pas à la réalité du financement des services. Donc, nous essayerons de travailler à l'avenir à un meilleur financement de ces services et à un financement différent de ce qui est fait actuellement. Donc, les fonctions clés liées à l'aide à domicile. Pour l'instant, on a deux fonctions clés liées à l'aide à domicile dans le secteur qu'on défend actuellement. Ce sont les aides ménagères sociales et les aides familiales. Il y a très, très souvent des amalgames qui sont faits entre les aides ménagères sociales et les titres services. Il faut savoir qu'on a du personnel qualifié qui est envoyé chez les bénéficiaires, que ce personnel qualifié effectue des tâches avec ses bénéficiaires, rentre dans la vie privée de ses bénéficiaires, et donc ces personnes sont formées pour toutes ces tâches-là. Elles sont formées sur plusieurs points, elles sont formées au niveau de la déontologie, elles sont formées au niveau de l'éthique, on leur fait faire des formations de secourisme, elles font des formations pour arriver à gérer leur stress, à gérer les conflits intrafamiliaux, à repérer aussi toutes les pathologies psy des bénéficiaires, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à Bruxelles, beaucoup de bénéficiaires sont atteints de pathologies psychologiques, et on essaye de donner des clés sans avoir la prétention de dire qu'on forme des psychothérapeutes ou des psychiatres, mais on essaie de leur donner les clés pour arriver à déterminer qu'une personne est atteinte d'un trouble mental ou non, et d'avoir ce recul nécessaire pour éviter à ces aides familiales de se retrouver dans des mélodrames ou autres. Donc voilà. Au niveau des risques du métier et de la pénibilité du métier. Je pense qu'on ne met jamais assez l'accent sur la pénibilité du métier de l'aide familiale et des risques qui sont encourus par ces aides familiales. L'avantage qu'on a au niveau de la fédération, c'est qu'on a recentré l'ensemble des formations au sein de nos locaux. Donc on a à la fois un feedback de la part de nos directeurs de service pendant nos réunions et de nos aides familiales qui participent aux formations. On entend des choses par moments horribles de certaines aides familiales qui vont chez des bénéficiaires parce qu'elles sont désemparées par le comportement de leurs bénéficiaires. Ces informations sont systématiquement relayées au service lui-même et à la hiérarchie pour essayer de trouver des solutions. Mais ce n'est pas un travail facile, c'est un travail risqué. Bien qu'on ne se retrouve pas systématiquement face à des personnes dangereuses, mais ça reste un métier risqué et un métier pénible. Donc, on parle des accidents du travail les plus fréquents. Donc, les accidents du travail les plus fréquents sont, entre guillemets, enfin, tout ce qui est chute. Entre les déplacements du travail, enfin, du bureau jusqu'aux bénéficiaires, des brûlures chez le bénéficiaire même, des chutes à l'intérieur même du domicile du bénéficiaire, parce qu'on a des bénéficiaires qui demandent certaines choses aux aides familiales qui ne rentrent pas dans le contrat qui a été signé auparavant. Avec la hiérarchie, et donc ces aides familiales sont soumises à des risques, enfin à des accidents du travail au domicile même. Alors les atteintes à la santé, les facteurs de risque liés à l'organisation du travail et au déplacement, les risques psychosociaux, les risques musculo-squelettiques liés à la manutention et à une mauvaise posture, les risques de chute, les risques chimiques, les risques biologiques et d'autres risques. Donc, dans tous ces risques, dans cette liste de risques qui a été énumérée, les risques psychosociaux sont les risques les plus courants.
parce que nos aides familiales sont, comme je l'ai expliqué, elles sont en avant, en première ligne avec les bénéficiaires. Et donc, elles sont amenées à rentrer dans la vie privée de ces bénéficiaires et à effectuer un travail aussi social et psychosocial avec ces bénéficiaires. Donc, la charge, en fait, à force d'entendre les problèmes de la personne, du bénéficiaire, à force de vivre avec ce bénéficiaire des bons comme des mauvais moments, ça finit par atteindre aussi nos aides familiales. Donc, on essaye de leur donner aussi des clés pour arriver à se distancier par rapport à ce qu'elles vivent chez leurs bénéficiaires. Au niveau des risques liés à la manutention, il faut savoir qu'on travaille avec des personnes fragilisées, des personnes âgées. Donc, on n'est pas à l'abri d'une chute d'une personne âgée. Ces aides familiales, qui sont parfois très âgées, doivent encore arriver à porter des bénéficiaires qui ont chuté, à les remettre sur leur chaise ou à les remettre dans leur lit. Donc, il suffit d'une mauvaise posture, d'une mauvaise position pour avoir aussi un accident de travail, un lumbago, et alors on tire en longueur sur des certificats médicaux. Au niveau des risques chimiques, donc que ce soit pour les aides ménagères sociales ou les aides familiales, elles sont exposées à des produits quand elles effectuent des tâches ménagères, que ce soit de la Javel ou d'autres produits ménagers qui sont nocifs, corrosifs et parfois toxiques pour ces aides familiales. Et sans réelle protection ou sans réelle formation, bien, ça conduit aussi à des accidents domestiques. Au niveau des problématiques rencontrées, donc, depuis le morcellement des compétences, le secteur de l'aide à domicile a cessé toute évolution, alors que la réalité sociale et les multiples analyses de terrain ne cessent de prouver à quel point le développement de ce secteur est primordial, afin d'assurer une meilleure qualité de vie aux personnes qui en ont besoin. Donc, avec le contingentement d'heures, les services ne peuvent plus effectuer autant de prestations qu'ils le faisaient auparavant, avant le changement du cadre légal. Aujourd'hui, les services d'aide à domicile, pour certains services en tout cas, ils se retrouvent avec des listes de bénéficiaires qui sont en attente d'une aide familiale ou d'une aide ménagère. Ces bénéficiaires sont souvent repris par des titres-services, et lorsque ces bénéficiaires qui ont été repris par des titres-services reviennent entre les mains du service, bien c'est des fois trop tard. Et la seule option qui se propose à eux, qui s'offre à eux, c'est d'entrer en maison de repos et de soins. Donc, le blocage du nombre d'heures subventionnées ou encore la création des titres-services à présent l'absence d'éveil de conscience des pouvoirs politiques sont autant de freins qui rendent la situation du secteur de plus en plus inextricable. Il faut savoir également qu'il y a une volonté des pouvoirs politiques de maintenir le plus possible les personnes à leur domicile, parce qu'au niveau des financements, c'est plus intéressant. Et il faut aussi savoir qu'actuellement, on alloue plus de moyens au titre-service qu'au secteur de l'aide à domicile. Donc, à partir du moment où une politique est mise en place pour maintenir au maximum les bénéficiaires à leur domicile, il faudrait que les moyens nécessaires soient également mis en place au niveau du secteur de l'aide à domicile pour pouvoir exercer la fonction pour laquelle on se bat aujourd'hui au maximum. Les diverses réformes qu'a connues le secteur au cours des années n'ont malheureusement pas abouti à un résultat concluant. Autre problème auquel doit faire face le secteur, la prépondérance du marché des titres-services. Au-delà du fait qu'il s'agisse là d'une mesure visant à ralentir la progression du chômage, l'amalgame est trop souvent fait entre ces deux domaines d'activité. Or, ils diffèrent sur bien des points. Il faut également prendre en considération le fait qu'actuellement, 85% des personnes faisant appel aux aides à domicile sont âgées de plus de 65 ans. Ces personnes nécessitent donc une plus grande attention et un plan d'aide plus spécifique. Donc, comme je l'expliquais précédemment, les titres-services et le secteur de l'aide à domicile font un travail totalement différent. Le travail qui est actuellement réalisé par les aides familiales qui sont du personnel qualifié sont clairement en phase avec la réalité du terrain. Les aides familiales, comme je l'expliquais, sont formées chaque année en continu pour pouvoir apporter une plus-value au travail qui est effectué à domicile. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation bien utile sur vos réalités et je vous passe la parole. Bonjour tout le monde, donc je vais commencer aussi par me présenter. Donc Gaël Chadec, je suis président de la Fédération des services bruxellois d'aide à domicile et aussi directeur général de aide et soins à domicile de Bruxelles.
J'aime bien toujours commencer une présentation par remercier toute une série de personnes. Et bien évidemment, la personne principale aujourd'hui, c'est toutes les personnes, les acteurs du domicile. Vous avez vu, via le spectacle invisible, vous allez le voir dans les témoignages, toutes ces personnes, au-delà de leurs compétences, travaillent avec leur cœur, accompagnent des personnes dans des situations qui sont vraiment difficiles. Et le spectacle n'est pas un nom invisible pour rien, c'est toute une série de métiers qui sont peu connus. L'objectif aujourd'hui, vraiment, c'est de pouvoir mettre en lumière tous ces métiers, voir comment on peut construire aussi avec la politique les métiers de demain, l'accompagnement, parce que vous le verrez dans les courbes que je vais vous présenter, il y a du travail à faire si on veut répondre aux besoins de demain. Je vais quand même aussi prendre un temps pour remercier, même si je ne sais pas où ils sont dans la salle, les décideurs politiques, parce que pendant la crise Covid, même s'il y a toute une série de décisions qui ont été remises en cause, on peut voir quand même que dans le domicile, on a eu des moyens pour protéger notre personnel, on a eu des moyens pour maintenir les activités et on a eu aussi un soutien dans tout ce qui est développement de matériel qui a permis de garder ce lien. On a pu, du jour au lendemain ou presque, mettre à disposition des smartphones qui ont permis de faire des réunions en vidéo pour justement garder ce lien. Sans ce lien, nos travailleurs étaient tout seuls sur le terrain avec toutes les problématiques que vous pouvez voir et que vous allez pouvoir voir dans les témoignages. L'autre chose aussi, comme l'a dit Dicra, on a un contingent d'heures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre d'heures au niveau de nos prestations. Et donc, c'est toujours difficile de se dire, est-ce qu'on engage ou on n'engage pas? Parce que si on engage et qu'on fait plus d'heures, on n'a pas de financement pour. Et si on n'est pas financé pour les gens qu'on a engagés, on est dans des difficultés financières. Par contre, on peut souligner que depuis des années, il n'y avait pas eu d'augmentation et qu'ici, dans les deux dernières années, on a eu plus de 10% d'augmentation des heures. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de moyens pour aider beaucoup plus de personnes. Vous verrez que c'est encore insuffisant, mais je trouve que ça a le mérite d'être souligné vu que ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps. La dernière remerciement, c'est par rapport aux réformes en cours, coordination, aide à domicile. On voit en tout cas qu'il y a une volonté politique de mettre en œuvre des nouveaux moyens pour avoir plus de possibilités d'accompagner et de mieux accompagner au domicile. Alors, en faisant la présentation, je me suis dit comment je vais arriver à faire comprendre toute une série de choses vu que le temps est assez limité. Et je me suis dit, il y a le plan société intégrée qui existe et dans ce plan, il y a toute une série de constats. Et donc, on va repartir de là parce qu'en fait, la majorité des choses sont déjà dites. Le premier, c'est qu'à Bruxelles, par rapport aux autres régions, on a moins recours aux services d'aide à domicile. Le deuxième constat, c'est qu'il y a en fait trop peu de Bruxellois qui ne sont pas en mesure d'accéder à l'offre d'aide de soins, par méconnaissance, par moyens et pour toute une série de raisons aussi. Les prestataires d'aide et de soins peuvent en outre jouer aussi un rôle important dans la détection précoce d'éventuels problèmes, être le premier jalon dans la lutte contre l'isolement social. Ces travailleurs sont de manière quotidienne au domicile et donc ils voient toute une série de choses. Comme le disait Dicra, entre une aide ménagère sociale et une aide ménagère d'état de service, la grosse différence, c'est qu'il y a justement cet accompagnement social. Il y a des réunions d'équipe avec leur assistant social qui vous expliqueront leur quotidien aussi. Et donc, il y a vraiment une chaîne qui permet de détecter les choses et de mettre en place des nouvelles aides si c'est nécessaire, avec la mise en place d'une aide familiale, d'un infirmier, d'une aide-soignante, de garde à domicile aussi si c'est nécessaire à un certain moment. Mais donc vraiment ce rôle de bienveillance et d'accompagnement. Comme je le disais, la relation de confiance, donc ils peuvent servir de relais à la personne vers le réseau étendu des autres ressources, qu'elles soient professionnelles ou non. Deux obstacles majeurs nous empêchent aujourd'hui d'utiliser tout le potentiel de cette offre d'aide et de soins. Donc, à l'échelle de la région, l'offre globale d'aide et de soins à domicile est insuffisante pour répondre à la demande actuelle. Et le recours à cette offre n'est aujourd'hui pas suffisamment facilité et valorisé. Donc, on constate clairement que l'offre est insuffisante. On voit aussi que ce n'est pas assez facilité, valorisé et que c'est méconnu. Les problèmes psychiques sont en augmentation en Belgique et la situation bruxelloise est plus mauvaise que celle des deux autres régions. Donc là aussi, point d'attention par rapport aux autres régions. Et j'étais assez étonné de voir dans le rapport qu'il y a 39% qui présentent des difficultés psychologiques au niveau de Bruxelles. Et donc c'est aussi pour revenir sur le point qui a été mis en avant là tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on doit faire évoluer les métiers, on doit accompagner les métiers. Via la fédération, via des professionnels, on forme nos collaborateurs à cette évolution. Mais c'est clair que quand vous êtes devant certaines personnes, c'est quand même très, très compliqué de pouvoir rester bien à l'aise, bien outillé par rapport à toute une série de cas. Et vous aurez des explications de cas concrets par la suite.
Et alors, le morcellement des compétences en matière de politique sociale et santé est dommageable pour l'ensemble des parties prenantes, vu qu'on parle de 7 niveaux de pouvoir. Je suis dans le secteur depuis 7 ans, bientôt en janvier, et je dois vous avouer que j'ai toujours du mal à m'y retrouver. Petite évolution de la population des 65 ans et plus, même si, pour rappel, on n'aide pas que des gens qui sont âgés, on aide un accident de vie, des familles et autres. Mais ces courbes sont quand même importantes. On se situe ici et vous voyez que les courbes ne vont pas baisser. Donc, clairement, il y a déjà un constat qu'aujourd'hui, les moyens actuels sont insuffisants. Ben, si vous regardez les courbes, ben, il ne faut pas être grand mathématicien pour se dire que si on n'agit pas rapidement, on sera devant des problèmes. Et dans les courbes, je pense qu'on est tous, dans les années à venir, repris dans ces courbes-là. Voilà. Alors, au niveau des budgets, j'ai pris le temps de regarder un petit peu les budgets des différents intervenants. Et donc, au niveau du service à domicile, le budget 2023, 45 millions, si on ajoute la coordination, les gardes à domicile, on va peut-être tourner à 50, 55 millions. On peut déjà dire que ce sont des chiffres assez importants. Maison de repos, près de 400 millions. Petit service, 300 millions. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire et peut-être des moyens à louer d'une autre manière afin de répondre quand même aux enjeux politiques, vu que les maintiens à domicile est quand même un des points importants pour éviter le placement en maison de repos, mais pour aussi veiller au bien-être des Bruxellois. Ici aussi, pour info, c'est les chiffres uniquement de Bruxelles. Je n'ai pas fait le travail pour la Wallonie et la région flamande. Donc moi, les seules questions que je voudrais déposer en fait au niveau des décideurs politiques, c'est d'abord repartir sur deux constats. Le premier, les Bruxellois expriment le souhait d'être maintenus à domicile. Je pense que si on a le choix, on préfère tous rester le plus longtemps chez soi que d'être placé. Donc ça, c'est un fait. Et ben, toutes les études, les chiffres que je vous montre, je n'ai jamais repris que ce qui existe aujourd'hui et qui est un constat politique, vu que c'est le PSSI. Le maintien à domicile est une solution pour répondre aux besoins futurs. Et donc, dans ce cadre-là, ben, moi, je me pose la question suivante. Première, ben, comment se fait-il que le secteur soit si peu financé, soit bloqué à un contingent, hein? On est 8 fois moins financé que les maisons de repos, 6 fois moins financé que les titres services, c'est quand même interpellant. Que les métiers du domicile ne soient pas prescrits. J'ai mis prescrits pour simplement valoriser comment ça se fait que, ben, quand on va chez son généraliste, parfois on dit ben, « Oh, tu as juste besoin de ménage, appelle un titre service, il va venir t'aider. » Pourquoi est-ce qu'on ne prescrit pas justement beaucoup plus l'accompagnement au domicile en sens large pour justement pouvoir anticiper les besoins futurs? Pourquoi ne pas prévoir aussi, avant l'entrée en maison de repos, une évaluation? J'avais participé à un groupe de travail où un directeur de maison de repos me disait bah, « Moi, avant d'accueillir quelqu'un, je fais une évaluation, voir s'il peut rester à domicile ou s'il vient en maison de repos. » Je trouvais ça très constructif. Alors c'était constructif, mais il y avait aussi derrière un aspect financier, vu que comme les maisons de repos sont financées par rapport à certains critères, ben, il n'y a pas non plus d'intérêt de prendre certaines personnes en charge avant d'autres. Et la quatrième chose, qui est pour moi le plus important, parce que quand j'ai vu les chiffres des titres de service, je dois vous avouer que je suis presque tombé de ma chaise, mais c'est en fait, aujourd'hui, on doit veiller à assurer les besoins de la population bruxelloise et pas le confort. Et pour moi, la grosse différence entre l'aide à domicile et l'accompagnement qu'on met en place, c'est que ça répond à des besoins. Les titres de service, pour moi, c'est du confort, et donc il serait temps pour moi de réallouer de ces 300 millions une bonne partie dans de l'accompagnement social et dans de l'accompagnement au domicile. Je vais laisser maintenant la parole à toute une série d'intervenants qui vous montreront en fait les belles facettes de leur métier. Je vais juste devoir rester ici pour cliquer pour lancer les vidéos. Très bien. Vous parliez des décideurs politiques. Je voudrais juste quand même, alors du coup, vous signaler qu'on a plusieurs parlementaires, peut-être les présenter, et puis ils prendront la parole aussi à la fin, où il y aura des questions. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse creuser un petit peu avec vous un certain nombre d'éléments que vous aurez présentés ou vous avez dit. Et donc, pour les socialistes, pour le PS, il y a Delphine Chabert et Véronique Jamoul. Pour le groupe écolo, il y a Ahmed Moussine. Pour les engagés, il y a Gladys Kazadi. Et pour Défi, il y a Nicole Bomélé. Voilà. Mais donc, on poursuit et puis ils vous poseront des questions par la suite. Et donc, certains témoignages sont en vidéo et certains autres seront en direct. Donc ici, c'est le témoignage d'une aide familiale.
Je m'appelle Pascal Leclerc et je suis au service quasiment depuis 39 ans. Le temps va très très vite. Voilà, et je travaille exclusivement chez des personnes handicapées. Le métier d'aide familiale consiste en une multitude de choses parce que voilà, d'abord c'est pour le bien-être de la personne, c'est pour qu'elle puisse encore garder de l'autonomie dans l'endroit où elle est, de pouvoir s'occuper un peu dans l'entretien, des papiers, le lit, les lessives, le lave-vaisselle, faire à manger, qui est très important, donner à manger aussi. C'est faire ça avec du cœur. C'est un métier qu'on ne sait pas faire ça sans cœur parce qu'il faut aimer les gens. Moi, j'ai l'impression, en fait, quand je viens travailler, de venir comme chez des amis. L'aide familiale, elle a des gens qui sont valides et des gens moins valides. Tous ces gens sont en général isolés. Les personnes âgées qui sont seules et qui ont besoin d'un passage parce que bon, ben, la solitude est très pesante et que ça leur fait souvent plaisir de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir peut-être se promener aussi avec quelqu'un. Eh ben voilà, on est bon. En fait, le travail d'aide familiale est un travail d'équipe, mais un travail solitaire chez la personne. Tous les mercredis, on a réunion en équipe avec notre assistante sociale. On expose les problèmes de l'une et l'autre, qui ne vont pas, si les personnes se font hospitaliser ou pas, les rentrées, enfin voilà. C'est un moment de partage. En fait, qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Mais il y a beaucoup de choses. Il y a le contact avec la personne, il y a le fait de se rendre utile aussi pour la personne. J'aime ce que je fais, j'aime le temps que je passe après avec les personnes. Et souvent, ils me remercient en général, beaucoup. Parce que pour eux, ben, voilà, je suis leur main, eux sont la tête. Si les deux se rejoignent, on fait équipe. En général, j'ai la chance parce que ça se passe toujours très bien. J'adore rire, donc les gens, c'est vrai qu'ils sont stimulés une fois qu'il y a quelqu'un qui est avec eux, qui rit, qui participe un petit peu. Mais il faut beaucoup de patience, il faut de la psychologie, il faut pouvoir écouter, pouvoir leur proposer, être disponible, surtout bien écouter parce que c'est quelque chose d'important et avoir le moral aussi. Et puis voilà, leur apporter un peu de joie dans tous ces moments qui sont un peu tristes pour elle. Et voilà. Donc à présent, le témoignage d'une aide ménagère. Je m'appelle Sarah Corbeau, je suis aide ménagère sociale depuis presque un an à l'ASD. Le métier d'aide ménagère sociale consiste à, en premier lieu à nettoyer le logement, c'est-à-dire faire la petite vaisselle, nettoyer la salle de bain, les vitres parfois, les sols, on aspire, on passe un mop ou on fait à l'eau. Du côté social, c'est plutôt prendre connaissance de comment vont les gens, comment s'est passée leur semaine. On raconte un peu nos misères, nos joies. Et le fait d'être aide ménagère sociale me fait plaisir parce que je sens bien les gens. Je sens qu'ils sont heureux, qu'ils sont contents. Ils aiment notre présence et ça nous fait plaisir à nous aussi. Mes bénéficiaires sont souvent des personnes seules, isolées, ou dans le besoin d'aide au quotidien. Je les aide au quotidien à retrouver un plaisir chez eux. Je peux aussi juste prendre le temps de discuter avec eux pour les sortir de leur solitude et voir comment ils vont, leur état général. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est de pouvoir chaque jour rendre service aux gens, sentir qu'ils sont heureux de ma présence, casser leur solitude, de voir qu'au quotidien, ils sont heureux de voir que je viens et je reviens. Et j'aime aussi prendre du temps avec eux, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leur faire un petit café, rigoler, rendre leur journée plus agréable. Et tout ça me fait du bien, moi aussi. Il faut être empathique,
aimer ce qu'on fait, c'est primordial. Être à l'écoute des gens et savoir aussi un peu se dévoiler sans trop se dévoiler. Savoir organiser son travail est primordial. Gérer son temps pour ne pas être en retard pour le suivant ou ne pas partir trop tôt et n'avoir rien d'autre à faire. Mes difficultés au quotidien, je n'en ai pas vraiment. Et ce qui me frustre un peu, c'est de ne pas pouvoir faire plus. C'est-à-dire de respecter en tant qu'aide ménagère sociale et non en tant qu'aide familiale, de ne pas pouvoir faire à manger ou éplucher pour aider la personne si personne d'autre ne passe dans la semaine, ne pas pouvoir l'aider à payer quelque chose ou à remplir des papiers, par exemple. Donc maintenant, on va céder la parole à des personnes qui vont vous présenter le repas, la télévigilance, et après, vous aurez le témoignage d'un assistant social. Waouh! Vous êtes très impressionnant. Donc bonjour à tous. Je m'appelle France Gérin, je suis directrice de l'aide à domicile à la CSD. Et là, pour le moment, j'ai mon cœur qui bat du 220. Voilà, donc. Pardon ? Tout va bien. Tout va bien, merci. Donc voilà, donc, afin de permettre à tout Bruxellois en perte d'autonomie de rester le plus longtemps possible à domicile, donc dans les meilleures conditions possibles surtout. Et donc en complémentarité des aides familiales et ménagères, nous proposons un service de télévigilance ainsi que des repas à domicile. Le service de télévigilance, ou communément appelé le service BIP, tire son intérêt de la possibilité de rester à domicile dans des conditions sécurisées. Il s'adresse donc à des personnes isolées ou à des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent s'appuyer sur un entourage pour rester vivre à domicile. Ce service fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En effet, grâce à la mise à disposition d'un pendentif ou d'un bracelet muni d'un poussoir et relié à un boîtier, le bénéficiaire peut appeler à l'aide lorsqu'il se trouve en difficulté à domicile, et ce, même à plusieurs mètres du boîtier ou dans une autre pièce de vie. En cas d'appel, un contact est directement établi avec un opérateur de la CSD. En fonction de l'évaluation de celui-ci et de la convention établie avec nous, soit un contact sera établi avec un proche afin de l'informer de la situation difficile du bénéficiaire, soit un intervenant de la CSD sera dépêché sur place. Si la situation le nécessite, par exemple en cas d'urgence vitale, les services de secours seront prioritairement appelés pour une intervention médicale. Dans tous les cas, l'opérateur restera en ligne avec le bénéficiaire jusqu'à l'arrivée de l'aide. Ceci en vue de rassurer le bénéficiaire, mais également en vue d'évaluer une dégradation éventuelle. Les compétences des intervenants portent principalement sur la mise en sécurité des bénéficiaires. Donc, classiquement, nous recevons des appels pour une personne qui a chuté. Et donc, en arrivant sur place, nous l'aidons à regagner son fauteuil ou la remettons, par exemple, au lit lorsque ça se produit la nuit. Lorsque le bénéficiaire fait appel à d'autres services de la CSD, ceux-ci sont normalement informés de l'intervention. Le service d'aide à domicile est donc régulièrement informé des chutes chez les bénéficiaires, ce qui permet, le cas échéant, de réajuster leur plan d'aide en fonction de nouveaux besoins. En cas de répétition de chute, dans un laps de temps limité chez un bénéficiaire ne disposant pas d'un autre service actif à la CSD, nous remontons le dossier en coordination afin de nous assurer d'un niveau de sécurité suffisant du bénéficiaire à domicile. La valeur ajoutée de notre service BIP réside dans la gestion des clés. En effet, 80% des bénéficiaires du BIP font appel à nous pour la formule avec gestion des clés. Cette modalité
je me permets de le dire, unique à Bruxelles, permet d'entrer chez le bénéficiaire en cas de besoin, et ce, sans avoir à appeler un serrurier ou sans avoir à fracturer la porte, notamment en cas d'appel des services de secours. En 2021, pour vous donner donc un ordre de grandeur, le service BIP est intervenu plus de 1000 fois à domicile, avec une moyenne de 85 interventions par mois. Nous notons en moyenne 3 fois plus d'interventions de nuit que de jour. Ce constat illustre, à notre sens, l'intérêt du service BIP dans la continuité de l'aide auprès des personnes fragilisées et en perte d'autonomie à domicile. Le deuxième service dont je vais vous parler, c'est le service repas. Donc, actuellement, nous livrons plus de 600 repas répartis sur 26 tournées en semaine et près de 500 repas les week-ends et jours fériés. Ces repas préparés in situ sont composés d'un potage, d'un plat et d'un dessert. Ils sont livrés soit chaud, à réchauffer ou froid, et présentés sur une assiette en porcelaine. Détail qui nous semble très important. La distribution des repas se veut professionnelle, éventuellement avec une gestion des clés pour les personnes à mobilité réduite. La distribution s'organise donc en binôme de professionnels de l'aide à domicile. Au-delà de la mission de livraison pure, ils assurent une veille sociale, en étant attentifs à certains éléments qui pourraient être des signaux d'alerte d'une dégradation ou d'un problème émergent éventuel. Aujourd'hui, notre volonté est de basculer d'un service de repas à domicile vers un service d'alimentation à domicile. Et les mots sont importants. Nous voulons effectivement orienter l'action du service sur tout ce qui entoure l'alimentation à domicile. Et pour ça, on développe progressivement deux volets. Le premier, c'est celui donc de la production des repas. Nous souhaitons donc adapter au mieux les repas au goût, mais aussi aux besoins des personnes en perte d'autonomie, ou avec des besoins spécifiques. Donc là, on propose actuellement 2 à 3 menus différents. Des ajustements peuvent être demandés, tels qu'un repas pauvre en sel, pauvre en sucre, une viande coupée ou une viande moulue. Nous souhaitons aussi proposer un repas qui se veuille bien plus qu'un repas appelé classiquement moulu. Vous avez tous été dans un hôpital ou dans une maison de repos. Je vous laisse visualiser le repas moulu. De notre côté, on a donc vraiment l'idée de proposer aujourd'hui un repas qui soit adapté aux troubles de la déglutition de nos bénéficiaires, et ce, en vue vraiment de les stimuler et de maintenir cette envie de manger. Donc, nous appelons maintenant nous avons développé donc un repas qui se veut, qui est appelé texturé, donc plus qu'une potée d'aliments méconnaissables. On en arrive à reconstituer, entre autres, les composants protéinés en leur donnant une forme et donc d'avoir vraiment des aliments distingués ou distincts, en tout cas, sur l'assiette. Le second volet que nous sommes en train de déployer, c'est vraiment la sensibilisation au bien manger. Et donc, celui-là, ce volet-là se déploiera donc via la distribution de repas professionnels. Et donc, on entend par là une newsletter ou des fiches recettes, par exemple. Et on en arrive aussi doucement, mais sûrement, à mettre en place des consultations d'une diététicienne à domicile. Le service repas travaille bien évidemment en étroite collaboration avec le service d'aide à domicile. Effectivement, certains prestataires interviennent tant individuellement auprès des bénéficiaires que régulièrement lors de la distribution des repas. Ils développent de ce fait une connaissance précieuse d'une partie considérable des bénéficiaires des repas et peuvent de ce fait observer et puis faire remonter des problèmes qu'ils percevraient en passant chez les bénéficiaires des repas, à savoir que certaines personnes n'ont pour seule visite sur la journée ou seul contact avec le monde extérieur le passage de la personne qui vient livrer le repas. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je viens relayer le témoignage des assistants sociaux parce que je suis effectivement responsable d'un service d'aide à domicile, notamment à Molenbeek. Le quotidien des travailleurs sociaux en général est connu comme étant difficile parce qu'il touche à l'humain, donc à l'impondérable, à l'ingérable au quotidien, je dirais, de manière assez simple. Mais effectivement, les lois, les arrêtés nous servent de garde-fous pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais au quotidien, effectivement, l'assistance sociale se retrouve face à des difficultés qu'il doit gérer au quotidien, mais toujours en collaboration et en communication avec les personnes de terrain, à savoir les aides familiales et les aides ménagères. Dans ce secteur, qui est parfois oublié, parfois invisible, hein, je reprends vos termes, s'inscrit un travail de proximité, voire même d'intimité au quotidien. De ce fait, l'invisibilité est à la fois l'invisibilité par rapport à la société, mais elle concerne aussi l'invisibilité des liens qui peuvent se créer entre êtres humains et qui parfois remplacent totalement le rôle primaire de la solidarité familiale des enfants notamment. L'aide familiale, l'aide ménagère parfois aussi, peut même arriver à connaître encore plus et dans la profondeur de la personne, les personnes qu'elle aide au quotidien. Le rôle de l'assistant social est multiforme, dans le sens où la Fédération représente différents services bruxellois qui ont un fonctionnement différent. Dans mon cas de figure, notamment au niveau du service d'aide à domicile du CPS de Molenbeek, on est aussi régi par d'autres lois, notamment la loi organique des CPS qui se veut pouvoir octroyer à toute personne l'accès à l'aide sociale sous toutes ses formes. Et dans nos cas de figure, l'aide sociale est représentée par justement cette aide familiale ou aide ménagère. Et notamment, cela sert, ou en tout cas permet à toutes ces personnes de vivre une vie conforme à la dignité humaine. Donc ce qui est recherché dans notre travail au quotidien, et notamment sous l'angle de vue aussi des lois organiques des CPS, c'est effectivement ce retour ou cette vie conforme à la dignité humaine. Et tout notre travail quotidien, toute notre énergie est donnée à cela. Et l'assistante sociale, en fonction des différents services qu'elle représente, a parfois la double casquette d'être à la fois le responsable d'un service où elle peut donner des injonctions ou des informations sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, jusqu'à au moindre détail sur l'administration de médicaments ou sur le lavage des corps et ainsi de suite. Il est assez difficile pour l'assistance sociale de se retrouver à la fois dans le rôle de proximité lors des visites à domicile où elle fait une analyse des besoins du bénéficiaire et à la fois dans le rôle beaucoup plus, managérial de l'aide familiale ou de l'aide ménagère au quotidien. Maintenant, ici, on a aussi la possibilité parfois d'avoir une aide supplémentaire, notamment au sein du service d'aide à domicile de Molenbeek, où on fonctionne plutôt avec ce qu'on appelle des monitrices, donc des aides familiales qui sont chefs d'équipe. Ça nous semblait beaucoup plus intéressant de travailler là-dessus, mais encore faut-il évidemment les moyens financiers pour pouvoir financer ce genre de profil qui me semble beaucoup plus, disons, entre le travail de l'aide familiale et le travail de l'assistance sociale. Mais en tout cas, voilà, le travail de l'humain, de manière générale, reste un secteur ou reste un domaine qui ne peut pas être simplement régi ou mis dans des cases de manière, qui soit dans une formalité absolue. Ici, il y a un travail du quotidien, il y a un travail d'adaptation perpétuelle qui est demandé, qui est exigé de la part de nos travailleurs. Voilà, c'est un témoignage, disons, relayé qui est censé représenter ce que
fait au quotidien l'assistante sociale. J'espère avoir été clair, mais étant donné le manque de clarté du poste en lui-même, il me semblera difficile d'aller plus loin. Voilà, je vous remercie en tout cas. Voilà, donc au niveau de la Fédération des services à domicile, on a fini. Donc on va céder la parole au secteur des centres de coordination. On vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci de nous laisser la possibilité de mettre en lumière les centres de coordination et le rôle qui est réalisé quotidiennement par les coordinateurs et les collaborateurs au jour le jour. Et je suis très contente parce que je vois plusieurs coordinateurs d'ailleurs des différents services et donc voilà, merci aussi à eux de leur présence et du travail qui est fait quotidiennement. Oui, je vais. Donc, je me présente. Donc, moi, c'est Crasse et Caroline. Je suis responsable du centre de coordination de Aider Soins à domicile de Bruxelles. Notre présentation va se faire en trois temps. Donc, je vais d'abord, moi, vous présenter un petit peu le cadre dans lequel intervient le centre de coordination, les missions, et puis je laisserai la place et la parole à mon collègue, donc Monsieur Stéphane Emmons, qui est directeur de CSD, qui vous présentera l'évolution du métier et les enjeux qui traversent notre secteur actuellement. Vous aurez également par la suite des témoignages de différents, voilà, donc d'un infirmier, le témoignage d'un assistant social des cliniques, qui pourra aussi témoigner de comment il prend contact et pour quelles raisons il prend contact avec un centre de coordination, et un témoignage de coordinatrice également. Donc, je vais essayer d'aller vite, vraiment les grandes lignes des centres de coordination. Donc, il existe 5 centres de coordination sur Bruxelles. Donc, je vais les nommer. Donc, c'est CSD, Soins chez soi, COSEDI, Soins à domicile et Aide et Soins à domicile de Bruxelles. Donc, nos 5 centres de coordination couvrent les 19 communes de Bruxelles et font partie de ces centres de coordination. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 coordinateurs qui ont des profils psychomédico-sociaux, donc vous allez retrouver des psychologues, des assistants sociaux, des ergothérapeutes, etc., et de collaborateurs administratifs qui viennent vraiment quotidiennement au soutien aux coordinateurs voilà, pour effectuer un suivi administratif des différents services mis en place, etc. L'accompagnement et le suivi qui est réalisé par le coordinateur est totalement gratuit. Donc, même si effectivement les services qui sont mis en place auprès du bénéficiaire à domicile sont quant à eux payants, mais l'accompagnement qui est réalisé par le coordinateur est quant à lui entièrement gratuit. Vous aurez d'ailleurs à ce titre des patients, des familles, des bénéficiaires qui sont aidés depuis plus d'une dizaine d'années, voilà, parce qu'ils ont une fragilité, parce qu'ils ont une maladie, etc. Et donc le suivi peut être vraiment à long terme ou plutôt à court terme pour des événements plus ponctuels. Donc, et comme vous le voyez ici, et comme je le disais, le coordinateur intervient auprès de patients, de bénéficiaires fragilisés et ou en perte d'autonomie. Donc, cette fragilité ou cette perte d'autonomie peut être due soit à une maladie, à une fragilité ponctuelle due à une situation un peu délicate, qu'elle soit financière ou due à un logement insalubre, etc., une situation de handicap, une perte de mobilité et une perte d'autonomie. Au-delà de la mise en place des services d'aide et de soins à domicile et de la mise en place de tout un réseau et de la mobilisation des services, le coordinateur, et vraiment c'est une mission sur laquelle on insiste beaucoup parce qu'elle est importante et assez peu valorisée, il va vraiment y avoir tout un accompagnement qui va se réaliser auprès du patient et du bénéficiaire et de son entourage proche et professionnel. Donc, au-delà de la mise en place, il va vraiment, pour tous les aspects du bénéficiaire, de tous les aspects de sa vie, un accompagnement va être réalisé, que ce soit pour des démarches administratives, que ce soit des relais qui vont être faits avec le bénéficiaire auprès d'autres services, comme des CPAS pour des questions financières, pour de la médiation de dette, auprès des logements sociaux pour introduire une demande, auprès
du phare pour une reconnaissance de handicap, etc. Donc ça, c'est tout un panel, un type d'accompagnement qui va être réalisé par les coordinateurs tous les jours. Ce qui implique un autre travail des coordinateurs, ce qui implique pour eux d'être au courant de ce qui se fait sur Bruxelles, des différentes possibilités, des différents services, de l'évolution aussi des services qui existent sur Bruxelles, afin de pouvoir aiguiller au mieux le bénéficiaire ou le demandeur vers le service le plus adéquat qui va répondre à la demande du bénéficiaire et de sa situation. Donc voilà, c'est connaître les différents CPS, connaître les missions, savoir à qui il faut faire appel. C'est connaître les centres de jour, les centres de soins de jour. Enfin voilà, il existe. Enfin voilà, le paysage psychomédico-social de Bruxelles est tellement vaste, et le coordinateur est un service de première ligne, donc il se doit de vraiment être au courant le plus possible et d'être toujours au plus près de ce qui se propose et de ce qui se fait sur Bruxelles. Enfin, vous voyez sur la salle, il est marqué convention de collaboration. Donc, certains centres de coordination ont des services intégrés, font partie d'un service intégré, donc où il y a plusieurs services. Certains autres centres de coordination travaillent principalement avec des services conventionnés. Ceci dit, nos 5 centres de coordination signent des conventions de collaboration avec des prestataires et des services. Pourquoi ? Principalement pour avoir une offre de services la plus large possible et de pouvoir répondre à toutes les demandes qui s'adressent à nous. Vous le verrez plus tard, on a une slide qui reprend les différents services. Mais pourquoi est-ce important de signer des conventions ? Ça nous permet tout d'abord de rencontrer le prestataire, de savoir qui on va référencer auprès d'un bénéficiaire. C'est important en termes de responsabilité aussi, de ne pas envoyer n'importe qui. Et surtout, on prend des garanties aussi lorsqu'on signe une convention de collaboration. Pardon. La garantie que le prestataire a bien un diplôme lié à la profession qu'il déclare exercer, c'est toujours mieux, qu'il a bien une assurance en responsabilité civile et qu'il a d'autres documents ou d'autres, je pense par exemple au numéro INAMI d'un infirmier, mais on va vérifier que le numéro est bien là, un numéro de visa, etc. Encore une fois, c'est vraiment des garanties et de notre responsabilité de référencer quelqu'un de bien auprès des bénéficiaires. La deuxième chose aussi, c'est qu'on va, lors de la signature de cette convention, s'assurer que le prestataire s'inscrit dans cette démarche de coordination. Donc, c'est-à-dire qu'il s'engage à fournir des observations liées à son passage auprès d'un bénéficiaire qu'on lui a référencé. Il s'engage à poursuivre les prestations, à nous déclarer s'il les arrête et pourquoi, à avoir un collègue qui le remplace lors de ses maladies ou de ses congés, etc. etc. Enfin, voilà, c'est vraiment pour vous montrer l'importance de ces conventions. C'est vraiment un gage de sérieux et notre responsabilité, comme je le disais tout à l'heure. Merci. Donc, quelques chiffres issus des rapports d'activité 2021. C'est pour vous montrer, je pense qu'on peut aller un peu plus vite. Donc, 5 centres de coordination. Donc, ça regroupe plus ou moins 23 personnes, comme je le disais, qui travaillent quotidiennement et qui assurent un suivi auprès des patients et des bénéficiaires qui s'adressent à nous. C'est plus de 1000 dossiers de coordination. Un mot un petit peu compliqué, même pour nous, parce que la notion est un peu floue, ou en tout cas mérite, il faudrait vraiment retravailler ça. Donc, plus de 1000 patients, en tout cas, qui ont eu un suivi opéré par un coordinateur à domicile, donc une mise en place d'un réseau multidisciplinaire et pour lequel un plan de soutien a été créé. C'est plus de 36 000 demandes simples. Alors, que veut dire demande simple ? Via toutes les conventions de collaboration que les centres de coordination signent, nous recevons, vous le voyez, beaucoup de demandes émanant de services, émanant de bénéficiaires, d'aidants proches, pour la mise en place d'un ou de plusieurs services comme des transports, comme un repas à domicile, etc. Ces demandes sont dites simples parce qu'elles n'aboutissent pas, ou n'ont pas besoin d'aboutir finalement à l'ouverture, à la création d'un suivi en coordination. Et enfin, c'est plus de 400 dossiers d'information. Alors, le dossier d'information, ça regroupe vraiment tous les dossiers pour lesquels il y a eu des contacts, il y a eu des visites, il y a eu une demande parfois d'un tiers, je pense,
un assistant social d'un hôpital qui va nous contacter en disant, ben voilà, il y a une sortie, pourriez-vous aller rencontrer monsieur, madame. Et puis donc le coordinateur se rend sur place et puis au final, après lui avoir présenté ce qu'il existe et les possibilités, ben, le bénéficiaire soit ne désire pas avoir d'accompagnement ou va réfléchir et reviendra peut-être ou pas vers nous, etc., etc. Donc tout ça, ça se met dans les dossiers d'information. Donc le bénéficiaire, le patient reçoit le contact, il sait qu'il peut nous téléphoner, nous activer en cas de besoin, de nécessité, mais en tout cas notre rôle à nous s'arrête là. J'aurais dû aller plus, plus simple. Je reprends ici plus concrètement et peut-être plus en profondeur les différentes missions et le rôle du coordinateur d'aide de soins à domicile. Donc, comme je le disais, la mission principale, c'est de créer, de mettre en place un plan d'aide et de soins nécessaire au maintien à domicile dans des conditions de vie optimales. Ça, c'est vraiment la mission vraiment générale. Pour y arriver, il y a tout un processus qui se met en place à partir de la demande. Donc, tout d'abord, une fois que nous recevons une demande, le coordinateur va informer le bénéficiaire et l'aidant proche ou le demandeur de tout ce qui existe sur Bruxelles comme type d'aide et de soins, comme accompagnement, etc. Il va vraiment analyser la situation du bénéficiaire avec lui, et c'est vraiment cette analyse qui va aboutir finalement à la création du plan d'aide et de soins. Pour ce faire, donc, et c'est pour ça qu'on prend en compte tout le contexte psychomédico-social du bénéficiaire, parce qu'au-delà du domicile, le coordinateur va également voir si ce ne serait pas intéressant d'assurer d'autres types de suivi, et je parlais tout à l'heure, par exemple, des centres de jour, etc. Donc là, on sort du domicile, mais le coordinateur prend vraiment tout l'environnement du bénéficiaire pour lui proposer vraiment un plan qui est le plus juste possible et qui va coller le plus possible à sa réalité et à ses choix et à ses demandes surtout. Donc, suite à ça, et après avoir reçu, et j'insiste très fort, après avoir reçu l'accord du bénéficiaire par rapport à cette proposition de plan d'aide et de soins, le coordinateur va mobiliser les services qui doivent être activés ou, en tout cas, va contacter les services s'ils sont déjà présents dans la situation. Pourquoi ? Ben, c'est afin de se présenter, afin de dire qu'une coordination se met en place, de décrire aussi les objectifs liés à ce plan d'aide, de permettre à tout le monde de savoir vers quoi on va, vers quoi le bénéficiaire veut qu'on aille. Et ça permet surtout, et c'est très important, de clarifier les rôles et les missions de chaque service. Voilà, c'est de savoir ce que va faire l'infirmier, ce que va faire l'aide familiale, quand ils vont passer, à quel moment, et ça permet d'avoir vraiment une vision globale, et pour le bénéficiaire aussi, de clarifier un petit peu les missions des uns et des autres. Cette étape est également très intéressante et importante parce qu'on se rend compte aussi que finalement, le plan d'aide et de soins, il est créé non seulement par les demandes du patient ou du bénéficiaire qui s'adresse à nous, mais également via les besoins qui sont détectés et analysés par le coordinateur. Alors parfois, ces deux choses se rejoignent et le plan de soutien peut être créé de manière assez simple, parfois pas totalement. Donc on pourrait avoir le cas d'une personne qui demande la mise en place d'un service infirmier, d'aide familiale et de kiné par exemple. Et lors de la visite, le coordinateur peut se rendre compte que finalement, le domicile, ce serait pas mal s'il pouvait être aménagé parce qu'il y a beaucoup de tapis, il y a des risques de chute, que la personne a du mal à se mobiliser, etc. Et donc c'est vraiment le plan de soutien finalement, ça va être vraiment les demandes du patient et les besoins détectés qui vont pouvoir se rejoindre et créer ce plan de soutien. Le coordinateur, tout au long de sa prise en charge, va également contacter le réseau et rester en contact pour être un point de relais. Donc non seulement que les informations tout au long du parcours soient bien transmises et soient les mêmes pour tous, mais également il va collaborer avec le médecin traitant du patient, qui est vraiment aussi au centre de la prise en charge. Donc le médecin ainsi que les prestataires sont prévenus qu'une coordination se met en place, et on laisse, les coordinateurs laissent leur numéro de téléphone. Ça permet, surtout quand il y a des infirmiers, des kinés, etc., mais voilà, de réagir plus vite, en tout cas d'activer plus vite le médecin traitant en cas de doute ou de problème.
Enfin, le service de coordination organise, en cas de nécessité, des réunions de coordination au domicile des patients, des bénéficiaires. Donc, lors de ces réunions de coordination, sont invités tous les prestataires qui gravitent autour du patient et du bénéficiaire, sont invités ses aidants proches, le bénéficiaire lui-même, évidemment, et son médecin traitant. Donc, ces réunions donnent l'occasion de pouvoir faire le point sur une situation. Généralement, aussi, cela se passe quand on remarque qu'il y a une dégradation de la situation ou que la santé du patient se détériore ou qu'il y a des problématiques liées au réseau, etc. Donc là, le coordinateur invite les différents participants, anime la réunion qui se déroule au domicile et envoie un compte-rendu à chaque participant. Et toujours, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est en sous-titre, tout ça se fait évidemment avec l'accord du patient et du bénéficiaire. Donc deux conditions vraiment primordiales pour l'ouverture d'un dossier de coordination. Donc c'est que pour que le dossier soit reconnu comme un dossier de coordination, il faut qu'il y ait au minimum 3 services actifs au domicile. Ceci ne veut pas dire qu'on va dire aux autres personnes qui s'adressent à nous et qui n'ont que 2 services, désolé, on ne sait pas vous aider, trouvez ailleurs la réponse, pas du tout. Donc on va vraiment prendre en charge tout type de demande, quel que soit le nombre de prestataires, quelle que soit l'affiliation, quel que soit... mais ces dossiers-là ne seront pas reconnus comme des dossiers de coordination et c'est aussi des dossiers d'information de demande simple, comme je l'expliquais tout à l'heure. Une deuxième condition primordiale, c'est l'accord du bénéficiaire, je le disais tout à l'heure. Je sais que c'est une condition qui peut être frustrante, je pense que les coordinateurs présents peuvent en témoigner aussi. Rien ne se fait sans l'accord du bénéficiaire, c'est-à-dire que si le bénéficiaire ou le patient ne souhaite pas qu'il y ait un suivi, un accompagnement par le centre de coordination, malheureusement pour le demandeur, et c'est surtout pour le demandeur aussi que c'est frustrant, on ne pourra pas effectuer de suivi. Donc on laissera nos coordonnées, on ira à la rencontre du bénéficiaire s'il est d'accord, mais nous on ne pourra pas aller plus loin dans cette démarche. Donc c'est vraiment important et c'est vraiment la liberté du choix aussi du patient et du bénéficiaire et on doit pouvoir la respecter. Donc voilà, ça je vous parlais des conventions tout à l'heure, je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Les principaux services avec lesquels on travaille et qui sont dans le domicile, c'est les services infirmiers, les services d'aide aux familles, des aides ménagers, des gardes malades à domicile qui viennent en appui pour faire une veille de plus de 3 heures, etc. Les services de repas à domicile, de télévigilance, je peux en citer encore beaucoup. Et donc, vous voyez, il y a des services ou des indépendants plus ponctuels, comme un pédicure, un coiffeur, etc., et des services qui viendront de manière plus régulière au domicile du bénéficiaire. Qui peut introduire une demande auprès de la coordination ? Ben finalement, un peu tout le monde. Donc, principalement, on voit que quand on analyse un petit peu qui fait appel à nous, il y a vraiment 3 catégories de personnes. Il y a en premier lieu les professionnels de l'aide et du soin. Ça peut être des assistants sociaux, des hôpitaux, beaucoup, pour organiser, par exemple, une sortie après un retour à domicile suite à une hospitalisation ou une revalidation. Ça peut être des professionnels comme des infirmiers, des aides familiaux qui nous interpellent par rapport à une situation, par rapport à un patient pour lesquels ils trouveraient ça intéressant d'avoir un regard extérieur qui s'ajoute à la situation. Le bénéficiaire lui-même, évidemment, et les personnes qui gravitent autour du bénéficiaire. Donc on pense à la famille, aux aidants proches, aux représentants légaux comme les administrateurs de biens, la famille, les voisins, etc. Quand introduire une demande de coordination, c'est pas toujours facile. Il y a certains rôles qu'on essaye vraiment de mettre en lumière et d'accentuer. Donc, je pense au rôle de prévention. C'est vraiment important de sensibiliser les services, les prestataires, les assistants sociaux des hôpitaux et tout un chacun, tous les professionnels, à faire appel à un centre de coordination. Dès qu'il remarque qu'il y a une fragilité et qu'un besoin d'accompagnement pourrait ajouter un plus dans la situation. Ça nous permet, et ça permet aux coordinateurs de pouvoir agir de manière beaucoup plus rapide,
parce qu'il aura déjà rencontré le bénéficiaire dans son lieu de vie, il aura déjà eu l'occasion de rentrer en contact avec le réseau existant, etc. etc. Et donc, une fois que la situation, ce que je ne souhaite pas, mais se dégrade, finalement, ben, on pourra agir plus vite et ce sera beaucoup mieux. Donc, on aimerait vraiment sensibiliser par rapport à cela. On nous appelle également pour ajouter de nouveaux prestataires, comme je le disais tout à l'heure, dans des situations complexes. On l'entendait tantôt et on le voyait dans la présentation de DICRA. Et voilà, il y a de plus en plus, et on le sent dans les services, il y a de plus en plus de personnes, de bénéficiaires qui souffrent de pathologies psychiatriques. C'est une réalité. Donc voilà, ça fait partie des situations complexes pour le bénéficiaire, mais aussi pour les différents travailleurs de l'aide et des soins. C'est pourquoi nous avons également des conventions et des partenariats avec des services de deuxième ligne, je pense aux soins palliatifs et aussi, comme je le disais, au secteur de la santé mentale. Et enfin, organiser un retour à domicile suite à une hospitalisation, une revalidation et de manière un peu plus qu'avant, aussi des retours suite à une sortie de maison de repos ou de maison de repos et de soins. Donc on a quand même certains bénéficiaires qui nous contactent parce qu'ils voudraient rentrer chez eux finalement après un séjour en maison de repos. Je vais aller plus vite. Je pense que le temps passe. Je ne vais pas retracer toute la slide. C'était juste, on voulait vous montrer par ce petit schéma quelque part que la trajectoire du patient ou de la prise en charge est longue, qu'elle demande, enfin, qu'il y a plusieurs étapes. Et que voilà, c'est pour ça qu'on insiste toujours sur le rôle de prévention, mais ça vous montrait aussi un peu cet aspect-là. Que l'accompagnement se fait tout au long de la prise en charge, donc du début de la demande et jusqu'à la clôture du suivi. Juste pour les raisons de clôture du suivi, pour en énoncer quelques-unes, il y a le suivi en coordination se clôture soit parce que la situation est stable et ne nécessite plus du tout le regard du coordinateur, il n'y a plus de plus-value à ce qu'il reste présent dans la situation, même s'il peut être réactivé en cas de problème. Parce que le bénéficiaire n'est plus dans les conditions, parce qu'il n'a plus qu'un prestataire, par exemple, il n'y a plus qu'un service actif au domicile, parce qu'il rentre en MR-MRS, donc en maison de repos, lors d'un décès ou encore d'un déménagement en dehors de Bruxelles. Voilà. Merci beaucoup et je cède la parole. Merci Caroline d'avoir été aussi claire. Ce que je vais essayer, c'est de déterminer les quelques enjeux et les évolutions du métier et du secteur. Alors, la Fédération des centres de coordination, c'est une jeune fédération et on n'a d'ailleurs pas de permanent. Hein, donc, on fait ça entre nous et on essaie de construire aussi, de réfléchir à qu'est-ce que ça peut être les secteurs de coordination en 2030 et au-delà. Je pense qu'un des dossiers, Caroline l'a déjà un peu mentionné, c'est la définition du dossier de coordination. Aujourd'hui, il faut 3 services actifs et les services sont repas, aide familiale, infirmier. Ça ne nous semble pas représenter en fait l'ensemble des complexités qu'un dossier peut avoir. Il peut y avoir qu'un seul besoin pour que ce soit un dossier très complexe. Et donc cette notion de trépied pour en faire un dossier de coordination nous semble un tout petit peu dépassée. De plus, dans le décret ambulatoire, il y a des catégories de centres 1, 2 et 3 qui ont été faits à une époque. Et à mon avis, il y a moyen de retravailler ça pour un peu mieux spécifier les différents centres, les centres, et peut-être supprimer cette catégorisation de centres 1, 2, 3. Le deuxième enjeu, c'est la prise en compte des situations complexes et de longue durée. Donc en soi, on est financé pour un certain nombre de dossiers. Donc les catégories 3 doivent faire 250 dossiers, les catégories 2, 150. Mais ça ne prend pas en compte en fait, la durée que l'on peut prendre pour les dossiers coordonnés. Donc une fois qu'on a le dossier, quelque part, on coche la croix. On a pris ce dossier coordonné. Mais tout le travail de suivi est parfois un travail long pour un dossier très très complexe, n'est pas prise en compte dans le financement dans le cadre réglementaire. On a évidemment de plus en plus de situations complexes. On a parlé des vulnérabilités psychiques. C'est la grosse tendance du secteur, hein, que ce soit pour les services à domicile et pour les services de coordination.
mais c'est aussi toute la problématique sociale. On a l'énorme chance, et je trouve que c'est une opportunité gigantesque, de rentrer chez les gens, dans leur intimité. Et donc là, on voit évidemment les problèmes de logement, de surendettement, de grande précarité, d'isolement, etc., etc. Le troisième enjeu, c'est qu'est-ce que ça veut dire être coordinateur ? Il y a beaucoup d'acteurs qui se disent coordinateurs. Nous, on est les centres de coordination de soins à domicile. Et c'est vrai qu'on veut être un acteur d'accompagnement, on veut être référent et on veut jouer un rôle de prévention. Mais il y a aussi plein d'autres acteurs qui sont aussi coordinateurs, notamment la seconde ligne palliative joue un rôle de coordination. Il y a les projets de Brussano de Case Manager qui jouent un rôle de coordination. Il y a les médecins traitants, les médecins généralistes qui jouent un rôle de coordination. Et donc, ça mérite un travail pour vraiment retracer la complémentarité entre ces différentes fonctions et la valeur ajoutée de chacun pour recréer un peu de lisibilité au niveau sectoriel. Quatrième enjeu, c'est de l'accessibilité à l'information pour les coordinateurs. On est essentiellement souvent appelé par les hôpitaux pour dire voilà, on voudrait que monsieur retourne à domicile. Et par exemple, une sortie hospitalière d'un hôpital psychiatrique et on a l'information, monsieur va mieux. Qu'est-ce que ça veut dire mieux ? Il était dans quel état avant et comment il... on est très content de savoir qu'il va mieux, mais dans quel état quelle information nous on peut recevoir. Et pour le moment, il n'y a pas d'outils, tout en respectant le secret professionnel, etc., mais pour avoir cette continuité de l'information, pour que nous aussi, on puisse fonctionner et prendre en compte l'entièreté du tableau clinique de la personne. Cinquième enjeu, lisibilité de notre offre. J'en ai déjà un peu parlé. Je pense qu'on est une jeune fédération. Nos services sont finalement peu connus, à part des services hospitaliers et de certaines premières lignes sociales. On a peu de connexion avec la première ligne médecins généralistes et maisons médicales, en tout cas moins, et on voudrait un peu plus. C'est vrai que il y a une confusion sur le rôle de qui coordonne quoi, et ça peut créer vraiment des ruptures dans la continuité pour des gens très fragiles où tout d'un coup il y a deux ou trois coordinateurs qui rentrent dans la ligne, qui rentrent dans la situation. C'est compliqué pour les aidants proches et clairement pour la personne elle-même. Et il y a clairement une demande de reconnaissance et octroi d'un subside de fonctionnement pour notre fédération afin qu'elle puisse être plus visible. Et alors, le sixième enjeu, c'est l'augmentation des moyens humains et financiers. C'est en cours de discussion pour le changement du décret ambulatoire. Ça permettra de répondre à plus de demandes, accentuer l'aspect prévention. Souvent, il y a quand même la chute de trop qui fait que la personne est institutionnalisée, et cette chute de trop, on pourrait vraiment la prévenir. Et on pourrait aussi avoir plus de temps de représentation afin d'améliorer notre visibilité. Alors, dernier slide, un peu lourd, mais c'est un moment important, puisqu'il y a toute cette réflexion sur le plan social santé intégré. Et donc, les centres de coordination, nous, on doit aussi un peu se positionner par rapport à la réflexion, et notamment sur la question de la territorialisation. On est des centres qui travaillent sur l'entièreté de la région bruxelloise, donc on n'a aucune volonté de faire un choix sur un bassin ou sur un quartier, etc., etc. Je pense qu'on se complète bien et on travaille en toute collaboration, les cinq centres de coordination. Et donc, on se dit, le côté territoire, c'est intéressant. Je vais prendre mes lunettes parce que il y a quand même un risque de multiplication des acteurs. Et donc, qui prend la responsabilité de la coordination et qui centralise les informations? Il y a cette question, et j'en ai déjà un peu parlé, de la fragilité dans la continuité des soins. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens où il y a un lien de confiance qui se crée. Et si tout d'un coup, il y a un autre coordinateur ou un autre acteur qui vient, on va avoir des problèmes dans la continuité, dans ce lien de confiance. Il y a certains prestataires qui sont un peu spécifiques et qui ne seront pas présents, évidemment, dans chaque territoire. Il y a un vrai risque de rivalité et de concurrence entre les services. Et nous, notre demande, c'est plutôt de renforcer les dispositifs existants plutôt que d'en rajouter quelque part une couche de complexité dans une complexité déjà importante. Alors, pourtant, l'approche locale est probablement
celle sur laquelle il faut insister, parce que c'est finalement, même si ces personnes ne sortent pas de leur domicile, c'est un territoire dans un quartier et dans un territoire, enfin, et ils sont locaux. Et ce serait intéressant d'ailleurs de travailler sur le lien de ce territoire à domicile dans des dynamiques de quartier, dans des dynamiques de bassin. Mais ce qu'on demande, c'est qu'il y ait de la flexibilité, qu'on travaille bien sur cette continuité d'aide et de soins. Et nous, on se voit vraiment comme vraiment le lien entre souvent des logiques hospitalières de sortie et justement cette première ligne sociale-santé de manière générale. On peut vraiment faire ce trait d'union entre le domicile, une première ligne sociale-santé et l'hôpital. Important qu'on insiste sur l'aspect prévention et aussi, et ça vraiment c'est notre rôle, c'est la diminution des hospitalisations et des prises en charge en urgence. Si vraiment on travaille bien au niveau d'un dossier coordonné, je pense qu'on peut aussi diminuer des institutionnalisations, la chute de trottes telle que j'en parlais, mais aussi on peut travailler sur ce volet préventif pour maintenir au maximum et améliorer la communication entre tous les acteurs. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à deux travailleuses de terrain, deux coordinatrices qui vont expliquer des cas cliniques et des cas concrets. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Je suis Morgane Jégou, je suis coordinatrice d'aide et de soins à domicile et mon travail est d'intervenir sur des situations complexes nécessitant de renforcer la continuité et l'articulation entre les aides et soins apportés au sein du lieu de vie des personnes en perte d'autonomie. Pour illustrer rapidement les propos précédents, je voulais évoquer la situation d'une patiente, donc il s'agit de Madame I. Je suis, en tant que coordinatrice, interpellée par le service social de l'hôpital à la sortie d'hospitalisation de la patiente, qui a déjà fait plusieurs allers-retours entre son domicile et l'hôpital. Ce qui est un indicateur, ou un indice en tout cas, de fragilité de la situation. Et de la complexité en tout cas. Donc je rencontre cette patiente à l'hôpital pour faire le point sur ses besoins exprimés, ressentis, couverts et non couverts. Je prends également des éléments pour analyser le contexte biopsychosocial et plus largement financier, etc. Dans cette situation, et donc j'ai marqué quelques éléments ici, un aspect de la complexité qui m'apparaît assez rapidement repose sur l'interconnexion des problématiques. Et donc là, une maman qui n'a plus la garde de son enfant et celle d'une adulte avec une maladie chronique psychiatrique. Dans cette situation-là, la mesure de placement de cet enfant a forcément des répercussions sur sa santé et sa santé forcément sur le maintien de la mesure de placement. Et donc l'enjeu ici, dans un premier temps, c'est de faire communiquer deux systèmes à part entière, le système judiciaire et le système de la santé de la personne. Et donc la personne qui est là pour la gestion du droit de visite, par exemple, elle va avoir tendance à se focaliser sur les aspects qui sont en lien direct avec sa spécificité. Or, tout ça a des implications les uns dans les autres. Donc, le rôle de la coordination, et c'est par là que je voulais l'illustrer, il y a ce travail de stimulation du travail pluridisciplinaire, c'est faire exister un peu un esprit d'équipe pluridisciplinaire autour et pour les besoins des patients, pour soutenir leurs objectifs en tant que bénéficiaire. Donc c'est aussi être la personne de référence pour centraliser les informations, et donc à la fois faire remonter les informations de terrain vers l'hôpital et la communication avec les structures hospitalières. Et dans l'autre sens aussi, c'est récolter les informations de l'hôpital pour pouvoir les concrétiser en action sur le terrain.
Et donc, dans cette situation-là, on est arrivé à un équilibre, et cet équilibre-là est toujours un équilibre fragile, d'où l'intérêt d'avoir une continuité pour réajuster, parce que les besoins évoluent forcément dans le temps. Comme ça a déjà été dit, de définir avec la personne ses priorités les responsabilités de chacun. Qui fait quoi dans cette situation ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs assistants sociaux qui, a priori, ont les mêmes objectifs. Mais voilà, se mettre d'accord pour vraiment cumuler les forces et aller avec la personne vers un équilibre de la situation. Voilà, moi je vais poursuivre pour essayer d'illustrer encore un petit peu plus la diversité de nos interventions en coordination. Je vais vous présenter une deuxième situation. Donc, il s'agit d'une dame qui vit seule et qui n'a comme personne de contact qu'un neveu qui vit à l'étranger et donc qui est très peu présent ici auprès de madame et qui gère par contre l'aspect financier de sa tante. Donc madame a perdu la vue progressivement et donc est devenue de plus en plus dépendante. Alors la demande de coordination ici a été introduite par le service d'aide à domicile. Donc c'est les prestataires de terrain qui connaissent la patiente déjà depuis 8 ans qui sont remontés vers leur responsable des aides à domicile en expliquant que voilà, la situation devait devenir de plus en plus compliquée. Madame avait des aides le matin et le midi, mais personne en après-midi et en fin de journée. Et donc les prestataires de terrain ont fait plusieurs constats. Donc effectivement, il semblait manquer un accompagnement en fin de journée. Madame n'avait plus la possibilité, dû à son handicap, d'ouvrir la porte et donc de donner accès au logement aux prestataires. Il y avait aussi une difficulté à gérer ses soins de santé de manière assez globale. Et les prestataires évoquaient aussi un aménagement du domicile qui ne semblait plus être en adéquation forcément avec les difficultés de la patiente. Donc ici, le rôle de la coordination a été dans un premier temps de pouvoir faire le point sur tous les aspects psychomédicaux, sociaux, de prendre contact avec le médecin traitant et le neveu de la patiente, qui sont des personnes qui font partie du réseau à ce moment-là du bénéficiaire, et donc leur faire un retour de la situation et voilà, avoir leur avis aussi sur la situation que eux constatent à domicile. Et donc une visite a été organisée afin de pouvoir réévaluer les besoins du bénéficiaire. Et donc durant cette visite, en fait, il y a plusieurs éléments qui ont été dégagés et donc des actions qui ont été menées par la coordination. Donc le plan de soutien a été réévalué et donc a permis la mise en place d'un service de garde à domicile pour un accompagnement en soirée et donc permettre à madame d'être accompagnée au moment des repas, au moment de la mise au lit, ce qui lui manquait, et alors la mise en place d'un passage infirmier journalier qui permettait de gérer les soins de santé de madame. En parallèle, il y a eu un contact et une visite conjointe avec la Ligue Braille qui a permis de mettre en place certaines adaptations et du matériel afin que madame puisse par exemple avoir des repères temporaux avec une horloge parlante qui a été proposée à madame. Par rapport à l'accessibilité du logement, il y a eu aussi un contact avec le syndicat pour pouvoir mettre une boîte à clé sécurisée pour pouvoir donner l'accès plus aisément aux prestataires de terrain. Et alors, donc tout ça s'est fait en collaboration évidemment avec la patiente, avec son neveu et le médecin traitant. Et alors avec le neveu, il y a eu un accompagnement aussi sur la révision de son handicap, parce que madame avait un handicap de plus en plus important
Et le fait d'avoir révisé ce handicap a permis aussi de réajuster l'allocation pour personnes âgées et lui a permis aussi d'obtenir une carte de stationnement. Donc voilà, ces deux situations, finalement, je pense, montrent bien la plus-value de la coordination qui permet vraiment d'avoir une vision holistique du patient, de sa situation, et qui permet de garantir un suivi optimal dans le temps aussi, en développant une collaboration des différents acteurs du réseau pour permettre et favoriser le maintien à domicile de ses bénéficiaires. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant, nous avons demandé à Cherbel, qui va se présenter en quelques mots, de pouvoir venir aussi témoigner en tant qu'infirmier du domicile. Oui, bonjour, je suis Azbek Cherbel, je suis infirmier référent en matière de diabète à la SD de Bruxelles depuis 12 ans et récemment je fais partie de l'équipe de direction de soins infirmiers. Je suis là pour témoignage pour la collaboration du service de coordination avec les services des soins infirmiers. Est-ce qu'à ce titre, tu pourrais nous dire un petit peu dans quel cadre tu fais appel aux services de coordination ? Oui. Normalement, dans notre métier, on a besoin du service de coordination par rapport à des retours d'hospitalisation, surtout après des longues durées d'hospitalisation, longs séjours. Le service de coordination, il peut un peu mettre en place certains intervenants, aide familiale, aide ménagère, en plus les repas à domicile et en plus les soins infirmiers. Plus que ça, certains cas comme les soins palliatifs et les soins et les gens qui sont un peu avec des soucis mentaux, le service de coordination, il peut nous aider à mettre en place une deuxième ligne pour les soins infirmiers et des services de santé mentale pour les patients qui souffrent des maladies mentales. J'entends que tu parles de patients qui reviennent suite à une hospitalisation. Oui. Il y a donc deux cas de figure. Donc, soit c'est le service de coordination qui vous réfère des patients, c'est bien ça? Oui. Il y a deux volets. Il y a parfois les services de coordination qu'eux-mêmes, ils prennent contact avec le service de soins infirmiers car ils ont besoin des soins infirmiers dans leurs intervenants. Et l'autre côté encore, parfois, c'est nous qu'on a besoin de services de coordination pour mettre l'ordre dans certaines choses, surtout quand il y a plusieurs intervenants par rapport aux bénéficiaires tels que kiné, assistante sociale, repas à domicile, aide ménagère, aide familiale, plus que trois services que tu as déjà mentionnés avant dans ton slide. Finalement, toi qui vois plusieurs volets et qui a l'habitude du domicile, est-ce que tu peux un peu expliquer la plus-value de la mise en place d'une coordination? Est-ce que tu vois une différence auprès des patients ou même auprès des infirmiers quand il y a une coordination? Mais comme vous le savez maintenant, comme métier de soins à domicile, on a beaucoup de contraintes, surtout au niveau de la circulation pour arriver chez un patient, en plus de se garer pour chez un patient. Donc, si on doit encore s'en occuper de mettre en ordre et de mettre en place plusieurs services, donc on doit perdre du temps. On n'aura pas assez de temps pour faire un bon travail infirmier et soit optimal au niveau de soins infirmiers. Donc, oui, le service de coordination, il a un rôle important, surtout quand la personne est isolée, quand la personne, elle ne sait pas gérer un peu ses besoins. Si on vient et tout est en ordre, donc on peut fournir le maximum des soins infirmiers et que ce soit d'une manière optimale. Merci beaucoup, Cherbel. Enfin, pour terminer, donc on a été à la rencontre d'une assistante sociale d'un hôpital avec lequel on collabore au niveau du service de coordination et qui a pu un peu témoigner justement de concrètement comment ça se passe de son côté par rapport à l'appel à la coordination. Mm-hmm.
Donc, je suis Virginie Bertinchamp, je suis la responsable du service social des hôpitaux Vérissu depuis 13 ans et je suis assistante sociale de formation au sein de la structure HIS. Bien souvent pour nous, la difficulté c'est d'organiser les sorties de manière urgente. Il faut savoir que dans les hôpitaux, nous avons des directives de durée de séjour par pathologie sans vraiment tenir compte des situations sociales. Et donc bien souvent, on doit organiser en urgence des soins à domicile avec une grosse structure. Ce n'est pas juste des soins à domicile type infirmier, c'est vraiment une grosse infrastructure. Des soins à domicile, des soins de kiné, des repas à domicile, une télévigilance, et en même temps les personnes sont assez isolées lorsqu'on introduit toutes ces demandes, donc on est vraiment confronté à la durée de séjour et à l'organisation du retour à la maison. Nous sommes en tout cas confrontés aussi aux problèmes psychiatriques à domicile de personnes âgées. Il faut savoir qu'à part les problèmes de démence, on a aussi des personnes âgées qui ont des problématiques psychiatriques, et c'est très compliqué de faire la différence entre une personne qui a des problèmes de démence, Alzheimer, et des problèmes psychiatriques. C'est pas du tout la même prise en charge à l'hôpital. Et donc bien souvent, ces personnes doivent quitter l'hôpital de manière urgente. Et là, voilà, on se rend compte que ces personnes ont un mode de vie très complexe, refusent en tout cas que les personnes rentrent à la maison. Et quand on met en place des soins à domicile, les soignants sont confrontés aussi à des problèmes au sein même du domicile, d'insalubrité, où la personne refuse les soins à domicile, et donc on est comme ça dans une chaîne sans fin. Si on n'arrive pas à maintenir les soins à domicile et un cadre à domicile, les personnes sont souvent réhospitalisées en fait. Et donc c'est une chaîne sans fin, et donc plus les personnes sont hospitalisées, plus on a du mal à les faire sortir, à les faire rentrer à la maison, et les hospitalisations sont de plus en plus longues en fait. Donc en général, lorsque je fais appel au centre de coordination, c'est pour ma part pour vraiment des personnes qui ont des pathologies plutôt chroniques, où elles sont restées longtemps hospitalisées, comme un service de neurologie, revalidation. Et là, effectivement, on doit mettre en tout cas tout un cadre avec la participation du patient et de sa famille. Et donc en général, en ce cadre-là, on a un petit peu plus de temps pour organiser les retours à la maison avec la collaboration du patient, et le retour à la maison s'organise bien. Mais dans d'autres services aigus, on doit vraiment en tout cas faire appel à une coordination pour mettre en place des repas à domicile, télévigilance, des soins kinés, des soins infirmiers, un passage d'aide familiale, un passage d'aide ménagère. La facilité en tout cas de travailler avec un service de coordination, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment une personne de relais. Ça permet aussi en tout cas pour nous de ne pas faire appel à 36 services extérieurs. Et alors on a la sécurité de se dire ok, on sait que la personne sera vraiment entourée, accompagnée à domicile. On n'a pas cette inquiétude de se dire mais que devient monsieur, que devient madame. D'autant plus que si on fait appel à d'autres services et que les personnes ne mettent en échec, en tout cas les services qu'on a mis en place, on a un retour en fait avec la coordination qui nous prévient en nous disant voilà, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, c'est passé telle et telle problématique, que lorsqu'on faisait appel à d'autres services extérieurs, on n'avait pas toujours des retours en fait. Ou alors la difficulté qu'on avait, c'est que les services nous appelaient en disant on ne sait pas quoi faire, la personne n'ouvre pas la porte, pouvez-vous nous aider? Donc on était parfois, quand les patients quittent l'hôpital, nous on ne les suit plus en fait. Et donc du coup, ça nous donnait plus de travail parce qu'on devait rouvrir un dossier, recontacter les personnes au domicile, et ça ne fait pas vraiment partie de notre travail au sein de la structure hospitalière en fait. Le patient est rassuré, ainsi que les temps proches, la famille, de l'organisation qu'on a mis en place, parce que lorsqu'on met en place une coordination, en tout cas le patient ou l'entourage proche est directement contacté par le service de coordination. Donc le patient et ses proches savent qu'un service a été mis en place par nos soins, qu'il y a une personne de référence, ils savent qui ils peuvent appeler en cas de difficulté ou en cas de changement de projet par exemple. Et donc ça donne un sentiment, en tout cas, où le patient est rassuré
une organisation de sa sortie, parce que bien souvent, les sorties d'hôpitaux, en tout cas très rapides, ça angoisse très fort le patient et l'entourage. Et la coordination donne un sentiment de sécurité, en fait. Pour l'instant, en tout cas, lorsqu'on j'envoie une demande, j'ai une réponse assez rapide. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas assez d'assistants sociaux présents sur le terrain, parfois ça ralentit un peu l'accompagnement du patient. Et donc on a parfois des patients, pour les patients de Revaneuro, qui ont besoin juste d'un accompagnement de la coordination pour les aider au début de rentrer à la maison. Et donc parfois je dois faire, quand il n'y a pas plus de 3 demandes, je dois faire des sorties sans coordination et je vois que là vraiment c'est compliqué parce que le patient nous appelle plus facilement. Que quand il y a une coordination, ils ne nous appellent plus. En fait, ou alors quand on le revoit, c'est vraiment pour avoir des nouvelles sur leur état de santé, mais pas par rapport à l'organisation du domicile. Donc je pense que oui, renforcer peut-être l'équipe sociale pour avoir évidemment plus d'assistants sociaux sur le terrain qui accompagnent plus le patient, là ce serait une bonne idée. Merci beaucoup. Je voulais vraiment vous remercier parce que c'était vraiment très, très intéressant et très complet avec vraiment tous ces témoignages. C'est vraiment très, très important et je pense que c'était très important aussi de faire un témoignage sur les sorties d'hôpitaux parce que je pense que c'est aussi là que beaucoup de choses se jouent. Donc, je pense que c'était important de présenter tout ça. Donc, vraiment, merci beaucoup. Alors, j'ai passé peut-être la parole aux députés qui souhaitent peut-être poser des questions. Les autres personnes qui sont présentes ici dans la salle peuvent aussi poser des questions ou répondre aux questions qui sont posées. Donc voilà, qu'on puisse avoir un moment de débat. Je regarde l'heure. Voilà, on a 30 minutes. Voilà. Je vais peut-être passer d'abord la parole. Je vais passer à chacun de vous. Hein. Donc d'abord à Madame Chabert, puis à Madame Bomélé, et puis alors à Monsieur Moussine. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Mais d'abord, surtout merci à vous tous, à vous toutes, j'ai envie de dire. Hein. Donc, je suis là pour poser des questions. Je voudrais quand même vous remercier, vous dire que j'ai entendu ces deux messieurs qui nous disaient que vous étiez toutes ces travailleuses et ces travailleurs des spécialistes de l'humain. Je crois que c'est vraiment ça. J'ai envie de dire que vous êtes des spécialistes du care, du soin, au sens large. C'est un mot anglais, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment d'équivalent parce que le soin, dans nos perceptions francophones, c'est très lié sur la santé. Or, là, on parle bien du soin lié à l'ensemble des personnes. Et donc, je voulais quand même redire ici, on est très heureux de vous accueillir, que toutes ces je vais parler au féminin, en fait, excusez-moi. Pour une fois, je crois que le féminin l'emportera. Que vous êtes essentiels, vous êtes trop invisibles, vous l'avez dit, messieurs, ces femmes sont invisibles, que vous êtes essentiels à nos vies, que parfois vous êtes rejetées aussi parce que ce sont des travails féminins, aussi parce que vous nous renvoyez à nos vulnérabilités, au risque de perte de dépendance, au risque de perte d'autonomie, la dépendance, la vieillesse, la maladie. Et que donc vous avez toute votre place ici, qu'on est très heureux de vous accueillir et de pouvoir surtout travailler sur les questions qui vous concernent. Dans votre cadre de travail, j'ai relevé toute une série d'enjeux et des questions qui y vont. Je vais essayer d'aller vite, ne pas être trop longue. J'ai relevé des questions un peu institutionnelles, en fait liées à l'institutionnel, qui sont notamment liées à cette question des agréments, COCOF, COCOM, vous en avez parlé, monsieur. J'ai relevé des questions liées au contingent. Contingent d'heures qui vous. On a bien senti que vous étiez corseté hein, dans ce cadre-là et qu'en même temps, ça ne correspond pas à une évaluation des besoins et notamment des besoins de vie, des besoins qualitatifs. Et donc, ça, je l'ai relevé aussi, même si on en parlera peut-être, le contingent a augmenté hein, et il y a une augmentation des budgets. Mais donc, ce sera aussi une question de voir comment vous accueillez cette augmentation des budgets qui est quand même réelle. Ça a été un effort conséquent, alors j'entends. Hein, qui vous semble dérisoire, mais qui est quand même réel. J'ai noté des enjeux liés à la pénurie. Et donc, je voulais savoir ce que vous pouviez faire en matière de recrutement pour rendre ce travail plus valorisé, valorisant.
C'est la question de zones non couvertes aussi. J'ai entendu ça, cette question de la pénurie, difficulté de recrutement. Ce sont des zones aussi où il n'y aura plus d'offres pour faire cet accompagnement et ce soin à domicile. J'ai noté des questions aussi liées à la santé, et c'est lié à la pénibilité du travail, la santé des travailleuses. Donc on sait que votre secteur, c'est celui qui a le taux de maladie longue durée le plus élevé. On voit aussi des questions liées à la santé mentale des travailleuses elles-mêmes. Ça a été dit lors de plusieurs témoignages. Vous êtes en phase avec des difficultés de vie au quotidien, et donc ça a un impact sur ces femmes qui travaillent. J'ai aussi noté des enjeux liés à ce qu'on appelle beaucoup ici la ligne 05, l'outreaching. Vous allez chez les gens, vous êtes les premières personnes, parfois les seules personnes en contact avec des patients, des patientes, des usagers, et vous pouvez détecter très tôt peut-être une demande de prise en charge plus complète, etc. Donc savoir comment valoriser davantage ça. Et puis j'ai noté évidemment des questions sur la coordination. Alors ça, c'était vraiment intéressant, et je vous remercie de l'avoir... que c'est été présent dans vos présentations. Je me demande vraiment qui coordonne la coordination, puisqu'on connaît, donc nous sommes des députés ici actifs dans la commission sociale santé, à la fois en COCOF et en COCOM, et on parle beaucoup de ces questions de coordination. Et on connaît très bien Bruissano, et on connaît très bien l'ensemble de toutes les deuxièmes lignes qui coordonnent. Et donc je me demande comment vous allez vous en sortir et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre tout ça à plat. J'ai plein de questions sur le PSSI. J'ai vu cette slide, mais c'était compliqué. En plus, je suis sur le côté, je ne voyais pas bien, donc je pense qu'il faudra y revenir. On se connaît avec Stéphane et Mance. Il faut rediscuter de ça. C'est vrai qu'il y a des questions liées à la territorialisation qui, en effet, sont complexes dans le cadre de vos activités. Il y a des questions liées aussi à la multiplication des risques de multiplication, ça a été dit, des instances, et qui ne vont peut-être pas forcément faciliter la coordination et le maintien des personnes à domicile. Je me posais des questions aussi sur l'impact de la réforme, et c'était le dernier témoignage justement du raccourcissement des durées d'hospitalisation. Alors bien entendu, ce travail de prévention, je disais au outreaching, ligne 05 que vous faites, c'est de la prévention, c'est aussi pour éviter des hospitalisations. Il y en a, on sait qu'on pousse de plus en plus vite les patients dehors. Je voulais savoir quel était l'impact de tout ça sur votre travail. Et alors, dernière question, j'en aurai beaucoup d'autres, mais je vais laisser mes collègues aussi, qui sans doute compléteront, sur la question de l'évolution des carrières des travailleuses qui sont dans vos secteurs. Alors, on a vu qu'il y a plusieurs métiers. Il y a des métiers liés aux soins, infirmiers ou psy, etc. Mais il y a aussi toutes ces aides familiales, ces aides ménagères. J'ai parlé de la pénibilité du travail. On avait fait une grosse journée de travail ici sur les aides ménagères spécialement. Je voulais savoir ce qui était mis en place et possible pour une évolution de carrière, pour peut-être atténuer la pénibilité et permettre aussi un renouvellement dans le secteur. Voilà, je vais m'arrêter là, j'étais un peu longue. Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole à Nicole Beaumélé. Oui, merci Madame la Présidente. Je tiens d'abord à remercier tout le secteur qui tient vraiment un travail magnifique au quotidien auprès des Bruxellois. Et d'ailleurs, c'est un secteur que je connais très bien parce que depuis 20 ans, ma famille, nous faisons appel à l'aide à domicile, aux infirmiers à domicile. Et je connais très bien le CSD avec qui nous travaillons, qui font un travail de qualité, excellent travail de qualité. Et ça, je vous remercie. Quand on regarde le film tout à l'heure, il y a une chose qui me retient, c'est un peu la solitude de ces personnes. Et là, je pense qu'avec la situation que nous avons connue avec la crise sanitaire, la crise énergétique, et puis avec les problèmes de santé mentale, que cette solitude-là, avec la paupérisation, vous jouez un rôle important justement à soutenir ces personnes-là. Parce qu'en fait, vous êtes tout à la fois. Vous êtes psychologue, vous êtes aide familiale, vous êtes des mamans, des papas, des médecins, des psychologues. Vous faites tout, en fait. Et c'est vrai que je regrette quand j'entends comment le secteur est si peu financé, alors qu'on sait que la population est en train de vieillir de plus en plus, et on sait aussi que on veut, plusieurs personnes veulent rester à la maison. Et c'est vraiment dommage que le secteur n'est pas assez financé. On entend ça, et je pense qu'on va interpeller les ministres compétents dans les différentes institutions par rapport à ça, parce que nous serons tous un jour des personnes aidées, vous l'avez souligné, et nous sommes aussi des aidants proches aussi. Et alors je pense que vraiment c'est un facteur qu'on doit vraiment tenir compte aussi. Vous avez parlé de l'alimentation, mais comme je sais que, par exemple,
chez nous, la personne qui a besoin de ces services-là fait appel à l'alimentation. Vous avez bien parlé que les repas, c'est une bonne chose, mais vous devez vraiment aller vers l'alimentation, viser le goût, voilà, tout ça, c'est vraiment important aussi. Mais une question que j'allais poser par rapport à Bruxelles, qui est assez diversifiée, voilà, je voulais savoir un peu, est-ce que dans l'alimentation, ça ne serait pas bien aussi d'ouvrir l'alimentation pour certaines cultures, par exemple. Voilà, je pense que ça, ce serait une bonne chose, parce que je sais qu'en approchant les gens à travers mes permanences sociales, il y a certaines personnes qui ont dû arrêter à faire appel à l'alimentation, parce que voilà, c'est des nourritures qu'ils ne retrouvaient pas. Et bon, et quand on sait que les personnes doivent rester à domicile et qu'on ne peut plus faire appel à ce service-là, par exemple, moi, personnellement, je dois en même temps que je m'occupe de mes enfants, aller faire des repas pour ma mère, parce qu'elle veut manger une certaine cuisine. Je pense qu'avec Bruxelles qui s'enrichit culturellement, peut-être c'est un aspect que je pense que ça serait bien aussi de tenir compte aussi. Et je veux aussi parler aussi, bon, c'est vrai que votre rôle est magnifique aussi, mais je pense aussi que ça serait aussi important qu'il y ait une reconnaissance, ça c'est pas vers vous que je le dis, c'est plutôt vers les institutions, les aidants proches, qui font quand même un travail au quotidien, qui font un travail, qui essaient de mêler vie privée et vie professionnelle auprès des personnes de nos familles qui vieillissent. Je pense qu'une reconnaissance, ça serait aussi une bonne chose. Ça, c'est, voilà, je pense que c'est aussi un aspect à ne pas oublier. Et par rapport à ces aidants proches, moi, j'avais une question à vous poser avec le travail formidable que vous faites sur le TAB, parce que je sais que j'ai des amis qui sont des aides à domicile qui me disent, voilà, quelquefois, il y a des difficultés relationnelles avec les aidants proches. Comment faites-vous par rapport à ça? Je sais qu'il y a des formations qui sont données. Je voudrais un peu avoir un recul par rapport à ça. Et puis, c'est vrai, je regrette beaucoup la précarité de vos emplois, parce qu'on sait que beaucoup, les femmes sont des actrices de première ligne. On a vu comment ces femmes-là ont été impactées pendant la crise sanitaire, comment ces femmes-là ont eu beaucoup... Hier, d'ailleurs, j'ai suivi un colloque là, sur santé, la santé est à l'endroit, que beaucoup de femmes ont contacté justement la COVID parce qu'elles étaient en première ligne. Et je sais que vous avez fortement été impacté, et je pense que vous méritez beaucoup plus de respect. Et aussi, on sait aussi que bon, voilà, le travail est difficile, parce que je le vois moi-même en direct, vous faites une heure à gauche, une heure à droite, une heure à gauche. Voilà, ça, c'est aussi difficile, il faut aussi en tenir compte. Et voilà. Et je pense aussi, bon, voilà, et aussi la pension de ce secteur difficile, quel est votre avenir? C'est vrai que merci de venir dans notre Parlement. Je remercie la présidente qui met toujours en avant ces thématiques très importantes. Mais je pense que le problème de votre secteur est vraiment transversal. Et je pense que ça doit trouver des solutions un peu partout. D'où je propose que Madame la présidente, vous sollicitez un peu un plan pour ce secteur-là, de façon transversale dans toutes les institutions, pour qu'on puisse trouver une réponse par rapport au secteur. Voilà, je vous remercie. Je ne prends pas trop la parole. Je laisse aussi le temps aux autres de poser les questions. Je vous remercie. Oui, oui, merci. C'est important, en effet, que les députés puissent prendre un peu la parole, pas trop, pour que vous puissiez avoir le temps, vous, de répondre. Et puis, alors, on aura un moment dans la cafétéria pour se réchauffer, prendre quelque chose de chaud. Il y a des sandwichs et de continuer alors à parler avec les autres. J'ai ma bouillotte, Madame la Présidente. Voilà, Monsieur Moussine. Écoutez, je pense que le contexte a été posé, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Je pense que vous avez bien présenté les choses. Et je remercie en tout cas les personnes pour le film. Moi, je trouve que le teaser là, qu'on a vu nous incitera à aller le voir. Et nous serons nombreux. J'espère que, Madame la Présidente, vous organiserez une... Voilà. Rendez-vous est pris. Ceci étant dit, moi, par rapport... à toutes les travailleuses que vous avez décrites comme invisibles, pour les gens qui ont fait appel à ces services, elles sont très visibles, en fait, et de plus en plus visibles dans la société. Moi, je pense qu'elles sont de plus en plus valorisées. Après, est-ce que les moyens qui sont mis en œuvre pour soutenir et accompagner sont suffisants? C'est le sujet de notre matinée. J'ai fait partie des membres de la commission Covid et on a l'impression que le Covid est derrière nous. Et donc, moi, ma question, c'est quel est l'impact du Covid sur votre secteur aujourd'hui encore? Parce que je pense qu'il faut continuer à faire une évaluation. Est-ce que ça a eu des impacts sur le taux d'absentéisme, par exemple? Est-ce que vous avez des difficultés à recruter? On sait aussi que l'indexation des salaires a eu un impact sur l'ensemble des secteurs. Je souhaiterais savoir si... aujourd'hui, par rapport à votre secteur, je le sais, on a entendu des travailleuses manifester, c'est de savoir comment on arrive à
avoir des travailleuses qui, avec un salaire qui ne leur permet pas de terminer la fin du mois, doivent continuer à être face à un travail extrêmement difficile. Je voudrais vous entendre là-dessus. Avoir un retour, puisque vous êtes en première ligne, sur les décès par rapport au Covid, comment ça a été perçu, comment les travailleuses ont été accompagnées et soutenues. J'ai vraiment envie qu'on n'oublie pas cette période Covid et qu'on continue à en parler et qu'on l'évalue. J'imagine que ça a eu un impact sur le taux d'absentéisme aussi après. Donc voilà, vraiment un volet Covid, je voudrais vous entendre là-dessus. Par rapport à toutes tous les éléments que vous m'avez donnés, le mot chute est revenu très souvent. Or, la question de la chute, on essaye de l'aborder énormément au niveau de la COCOF et de la COCOM. Je crois que si on regarde le nombre de personnes qui ont parlé de la chute, la première chute, la dernière chute, comment ça, je voudrais vous entendre là-dessus et savoir si vous êtes outillé et qu'est-ce qui pourrait être mis en place justement pour lutter contre les chutes. La question du profil des travailleuses sur l'évolution de l'âge. Alors, sur la question genrée, je ne vais pas poser de questions, à mon avis, c'est identifié, mais par rapport à l'âge, est-ce qu'effectivement c'est un profil de personnes qui deviennent de plus en plus âgées, parce qu'on se rend bien compte que ça nécessite aussi d'avoir, au niveau du psychologique, oui, mais au niveau du physique, j'ai l'impression que c'est un métier très physique, et donc j'aurais voulu avoir une idée de la pyramide des âges. Sur la question de la liste d'attente, je voulais savoir comment c'était géré. C'est toujours un grand débat. Est-ce que lorsqu'il y a liste d'attente, c'est le premier qui a demandé, premier servi, ou c'est par rapport au niveau d'autonomie? Donc, j'entends bien que c'est des gens qui sont en perte d'autonomie, mais là, il y a une hiérarchie aussi. Donc, comment vous gérez ça? La question de la confrontation titre servite aide familiale, je l'entends et c'est un vrai débat parce que les titres services, c'est aussi un outil de lutte contre le travail au noir, et donc on est dans un débat, mais vous faites bien de le souligner. On va en tout cas le réintégrer dans notre réflexion et voir comment on peut articuler ça. La question du non-recours, en fait, j'entends qu'il y a un non-recours. Après, avec la question de la coordination, j'entends qu'il y a des leviers qui sont mis en place pour éviter le non-recours. Est-ce que vous avez des idées pour développer d'autres choses qui permettraient le non-recours? Et le travail de coordination, moi, je le voyais souvent comme un travail du médecin généraliste qui assurait ce travail de coordination et les services CPAS. Et donc, je voulais savoir, effectivement, comment s'articule la coordination CPS, médecin généraliste et service de coordination. Alors, j'ai appris des tas de choses, en fait. Je vous remercie. Je le dis, hein. Par exemple, sur la télévigilance, il y a quelque temps, j'avais une personne âgée qui était tombée, qui s'était fracturée. Qui avait une fracture et qui avait un bouton, mais qui ne voulait pas l'utiliser parce qu'elle venait d'installer une porte, une nouvelle porte, et elle avait peur que les pompiers viennent la fracturer. Et donc, le fait que vous offriez un service avec un système de clés, je me dis, mais elle ne le savait pas, quoi. Et donc, je découvre en tout cas que c'est un métier qui évolue et vous apportez de nouvelles choses super intéressantes. Médecin traitant, j'ai dit, centre de coordination, j'ai dit, perte d'autonomie. Et puis ensuite, le dernier élément, enfin, une des questions, c'est vous avez mis en avant le fait qu'il faut qu'il y ait l'accord de la personne. C'est un élément central. Et donc, par rapport à ça, je voudrais savoir si vous pouvez nous donner des retours sur, un, quelles sont les raisons de refus? Qu'est-ce qui peut amener, voilà, est-ce qu'il y a des pathologies psychiatriques qui font que la personne refuse et qu'il faudrait peut-être la mettre sous tutelle? Et donc, c'est cette question-là. Et comment vous travaillez avec cette question du secret professionnel et justement du secret médical partagé? C'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant. Eh bien, comment vous partagez ce secret médical? Et je trouve qu'il y a une vraie tension. Et donc voilà.
Eh bien voilà, je crois que j'ai posé mes questions. Je vous remercie. Et juste un dernier élément. Je voudrais remercier effectivement la présidente d'avoir mis le sujet et les services et l'ensemble des personnes, le bureau élargi, comme ça je n'oublie personne. Mais il y a une chose qui a été mise en place depuis ce début de législature, c'est qu'une fois qu'on a fait un jeudi de l'hémicycle, au sein de la commission, donc la commission santé, on fait un suivi. Et donc, il y aura un suivi par rapport à tous les éléments qui vous ont été donnés. Je suis convaincu que la présidente l'aurait dit à la fin de son... Vous l'avez déjà dit. Ah, je ne vous l'ai pas entendu. Excusez-moi, j'ai été distrait. J'ai été distrait. Mais en tout cas, ce suivi, on le fait de manière très sérieuse. Et très souvent, ça se termine par des recommandations. Donc, dans les 6 mois ou 1 an, un travail sera fait avec une série de recommandations qui, j'espère, rencontreront vos demandes. Je vous remercie. Donc, vous voyez, on va vraiment faire le suivi. On est plusieurs à vous le dire. Pardon. Donc, beaucoup de questions. Je vous laisse vous organiser pour les réponses. Si vous souhaitez, vous pouvez rester à votre place. Et puis, voilà. Alors, oui, il y en a beaucoup. Les différences COCOF-COCOM que vous évoquiez là tout à l'heure, effectivement, il y a des différences de financement. Il y a des choses qui ont déjà été harmonisées, comme les tarifs bénéficiaires qui, depuis le 1er octobre, sont équivalents. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, parce que là aussi, avant, les Bruxellois, en fonction du service auquel ils faisaient appel, payaient un montant différent. Mais après, il y a toute une série de choses aussi, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais qui ont été aussi déposées au niveau du cabinet pour essayer de tendre au niveau des financements sur une harmonisation pour que les services soient financés de la même manière. Par exemple, en COCOM, ils ne sont pas financés pour l'encadrement et pour certains métiers, ce qui est le cas en COCOF. Et donc, c'est des choses qui sont toujours compliquées. Par rapport au contingent, effectivement, il y a une grosse augmentation, je le disais dans ma présentation, de 10%, et on remercie vraiment ce qui a été fait comme travail. Maintenant, si on voit les courbes du futur, c'est pas suffisant. Notre problème aussi, Dikra le disait, au niveau de la FSB, au niveau des services, on a quand même des moyens qui sont limités. On n'a pas toute une série de batteries d'indicateurs comme peuvent l'avoir d'autres fédérations bien mieux outillées. Et donc, on a aussi nous-mêmes du mal, à part avoir la liste de tous les refus qu'on a, et donc pour répondre aussi en parallèle, qu'est-ce qu'on fait des refus? Au final, la personne est aidée quelque part, mais pas toujours dans le délai attendu ou suffisant. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi avoir des moyens d'évaluer quels sont les besoins des Bruxellois dans 5 ans, dans 10 ans, pour pouvoir anticiper. Aujourd'hui, on sait qu'on est complet, donc ça veut dire qu'on ne prend pas tout le monde. On sait aussi, comme j'expliquais, mais c'est assez compliqué, l'explication du contingent, mais comme on a un plafond d'heures, on ne peut pas se permettre d'engager des personnes. Et donc, on doit toujours veiller à ne pas engager trop pour ne pas se mettre en déficit. Étant donné qu'on est des ASBL, on n'a pas de fonds propres, on n'a pas de réserve, on ne fait pas des bénéfices. Et donc, en fait, si on engage 3 personnes en trop, c'est directement 150 000 euros de perte sur l'année qu'on ne peut pas avoir. Et donc, c'est une complexité de gestion aussi que je ne pense que les pouvoirs publics ne se rendent pas compte. Vous pouvez voir le turnover au niveau du management des services d'aide à domicile. Ça tourne très souvent parce que la pression est très compliquée à gérer. C'est la même chose pour les assistants sociaux. Et c'est parfois la même chose pour les travailleurs, où certains modes de financement vont aller pointer en fait le nombre de prestations plutôt que la valorisation du temps passé ou la valorisation de ce qui est fait au domicile. Et donc, je pense qu'il faut arriver à avoir des objectifs qui sont beaucoup plus qualitatifs que quantitatifs pour accompagner les gens de manière correcte. Par rapport à la pénurie, la pénurie aide-soignants, aide-infirmiers, on les connaît. Et c'est vrai que dans notre secteur, aide familiale, on a aussi souvent du mal à recruter. Et on commence aussi à avoir du mal à recruter même des assistants sociaux. Ou certains qui, en fait, en venant travailler dans le domicile, avec cette gestion justement compliquée, nous disent qu'ils perdent en fait un peu leur fibre sociale d'accompagnement des gens au domicile ou dans leur vie, parce qu'ils sont vraiment cantonnés à faire beaucoup de management, d'accompagnement d'équipe, avec, on le disait, la complexification, les CAPSI et autres, et donc ça devient de plus en plus lourd aussi au niveau psychologique ou autre. La santé des travailleurs, alors là, on est en train de voir un petit peu le taux d'absentisme. J'ai noté qu'on n'était apparemment pas dans les très bons chiffres par rapport aux autres secteurs, donc on va regarder ça. C'est vrai qu'on sait que ce sont des métiers qui sont pénibles. La fin de carrière est une question dont on discute aussi régulièrement, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a lui-même des difficultés, comment fait-il pour accompagner des gens à domicile? On prenait l'exemple dans une vidéo, l'ascenseur qui est en panne ou pas d'ascenseur, parce qu'il y a quand même pas mal de logements sans ascenseur. Il y a des travailleurs, effectivement, faire 2-3 étages, c'est aussi compliqué, parfois avec 5, 10, 15 kilos de course.
Et donc tout ça, c'est vrai que c'est des débats auxquels aujourd'hui on n'a pas de solution miracle. C'est vrai qu'en termes d'aménagement, on va plutôt vers des trajets de changement de fonction, même s'il y a une palette assez large au niveau du domicile. Une aide familiale qui voudrait se réorienter, ben, on pourrait lui faire faire plutôt de l'accompagnement de jeunes travailleurs pour du tutorat ou un parrain marraine en fonction des secteurs. On utilise parfois d'autres termes. Du travail administratif si c'est possible, si la personne peut se réorienter. Il n'y a pas non plus beaucoup de possibilités en fait en interne de pouvoir faire tout ce qu'on voudrait. La coordination, ça je vais laisser après. Le PSSI, ça il y a tellement de questions, je pense qu'on pourrait prendre un moment plus spécifique. L'impact de la diminution des séjours des hôpitaux, ben oui, ça on est souvent confronté à la personne sort demain. Bon, ok, et donc voilà, on doit trouver des solutions. Caroline pourra peut-être compléter par rapport à ça. La solitude, ben oui, la solitude des personnes chez eux, ça fait partie aussi du métier social et de la grosse différence qu'on fait entre ben, un titre service, une aide ménagère dans un titre service et une aide ménagère dans nos services à nous. C'est qu'au-delà du ménage, il y a tout cet accompagnement, toutes ces détections et tout ce qui fait partie aussi du bien-être des personnes aidées. L'alimentation diversifiée, ça peut-être que Stéphane pourrait dire un mot par rapport à certains projets qui pourraient être faits. Alors, il y avait les aidants proches, la reconnaissance des aidants proches, la relation avec nos travailleurs. Là aussi, je pense qu'une chose qui devrait être faite et mise à plat, c'est les limites entre les métiers. Je vais donner un exemple simple. Un aidant proche, vous pouvez mettre des gouttes à votre maman, à votre conjoint dans les yeux. Une aide familiale ne peut pas le faire parce que c'est reconnu comme un acte médical. Donc, on doit faire venir un infirmier. Bas de contention, même chose. Vous pouvez mettre des bas de contention à quelqu'un que vous connaissez. L'aide familiale ne peut pas le faire. Et donc, en termes de pénurie, quand on parle de pénurie, ben, il faut aussi pouvoir revoir un petit peu la limite de chaque acte. Ça a été fait. Hein. Donc, les actes aides-soignants ont été élargis avec des formations complémentaires. Je pense qu'il serait temps aussi de revoir les actes qu'on peut faire au niveau des aides familiales. Parce que là aussi, on pourrait leur donner plus de compétences avec des formations, bien évidemment, mais ce qui permettrait aussi à d'autres spécialités comme des infirmiers, des aides-soignants, de faire des actes plus techniques. Quand on a pénurie, il est aussi logique de voir que les métiers dont il y a une pénurie qui est identifiée, qui puissent se consacrer à des actes à valeur ajoutée. Par rapport à tout ce qui est précarité des emplois et effectivement pension, là, effectivement, ben, je pense qu'on attend aussi pas mal du projet en cours qui est l'IFIC à partir de janvier 2024 pour avoir tant une reconnaissance sur les actes et le contenu du travail de tous ces métiers, ainsi que la revalorisation salariale qui irait avec la reconnaissance de ces métiers. L'impact Covid sur le secteur, oui, il y a eu une augmentation de l'absentéisme comme dans tous. Maintenant, les travailleurs n'ont pas arrêté une seule journée de travailler et ont continué à accompagner les bénéficiaires, que ce soit les aides ménagères, les aides familiales, les assistants sociaux, les infirmiers, les gardes à domicile. Tous ces métiers ont continué à fonctionner, contrairement aux titres services qui ont été tous fermés. L'indexation des salaires, donc là je pense qu'au niveau des pouvoirs subsidiaires on ne doit pas trop se plaindre vu que le contingent et les indexations sont faites à chaque indexation de salaire. Ce qu'on peut par contre reprocher c'est qu'il y a un décalage. Donc c'est vrai que cette année avec le nombre d'index, ben, au final on va devoir assumer 4 mois d'indexation de salaire sous fonds propres qu'on n'a pas vu qu'on est des ASBL sans but lucratif. Et donc c'est vrai que c'est des choses compliquées. Donc ça c'est pour la partie COCOF, COCOM, on a aussi d'autres subsides genre les ACS, donc les remises à l'emploi à Actiris, où là les indexations suivent bien. Il y a des emplois aussi Maribel, via le fonds Maribel, où là ce sont des forfaits non indexés depuis des années, et donc là c'est clair que ces emplois-là peuvent poser problème à des structures vu que le gap entre le salaire réel et l'indexation n'est pas pris en compte, et donc là c'est clair que ça, ça pose des problèmes. Des décès par rapport au Covid, chez nous, malheureusement, on en a eu. Deux dans le service. Dans d'autres services, il y en a eu, ça a été assez limité quand même. Je pense que, de toute façon, on connaît tout le monde, enfin, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui l'a eu ou qui a eu des soucis graves ou moins graves. La grosse crainte des travailleurs, effectivement, au début, c'était cette méconnaissance et cette crainte avec laquelle ils ont été au domicile.
avec cette boule dans le ventre, de ramener quelque chose qui était méconnu au domicile et de contaminer ses proches. Après, comme je le disais, on a quand même pu compter sur des moyens qui ont permis de mettre rapidement en place des masques, du gel, de la protection pour nos travailleurs. Même si ça n'enlève pas toutes les craintes, ça nous a permis en tout cas de diminuer les risques, bien évidemment pas à zéro, mais de les diminuer quand même. Les chutes, oui, ben donc là, on pourrait aussi voir tout ce qui, au niveau de l'accompagnement, permet de détecter. Il y a la télévigilance avec le bouton. Avec la technologie actuelle, il pourrait aussi y avoir d'autres projets qui pourraient émerger en termes de détection via des systèmes autres. Il faut quand même se mettre dans la peau des Bruxellois et des domiciles dans lesquels on va. C'est clair que ce ne sont pas, en général, les gens qui ont les moyens de se payer ce genre de système. Et donc, même s'il y a le développement de la technologie, de l'intelligence artificielle, toute une série de systèmes qui permettent de détecter le comportement d'une personne à domicile, je pense qu'il faut aussi être vraiment pied sur terre et se dire que ça ne concerne pas, en tout cas, la majorité des gens chez qui on va aider. Oui, par rapport aux travailleurs, au profil des travailleurs, l'âge, le métier physique, ça, on en a parlé. Les listes d'attente, alors, premier servi ou autonomie, ben donc, il y a d'autres régions, hein, l'assurance autonomie, qui est plutôt par rapport au niveau de dépendance ou autre. Ici, on va toujours privilégier, en tout cas, les besoins les plus importants dans les personnes qui sont dans les listes d'attente. Maintenant, ils ont parfois su trouver un système B où ils demandent à la famille le temps d'eux ou via des aidants proches ou autre. Par rapport au non-recours, les idées de développement, je pense qu'il faut vraiment faire reconnaître ces métiers. C'est pour ça qu'on a commencé aussi. Il y avait eu ce spectacle invisible il y a 3 ans ou 4 ans. Ça passe tellement vite. Voilà, juste avant, moi j'avais été le voir et effectivement, même si on va parfois accompagner le terrain en tant que chef de service ou de direction sur le terrain, un spectacle quand même vous permet de voir aussi du vécu, vu que c'est toutes des situations qui ont travaillé sur base de vécu et qui étaient très bien jouées. Et donc, je pense vraiment que c'est les prescripteurs, je le disais, pourquoi c'est pas prescrit assez, parfois la méconnaissance de certains médecins généralistes, les hôpitaux, je pense qu'avec la coordination, ils sont drillés et autres. Et alors, le métier de coordinateur, là, pour faire une parenthèse aussi, c'est vrai que c'est un mot qu'on met sur une fonction, mais qui est utilisé à toutes les sauces. Dans le décret COCOF, par exemple, le coordinateur, c'est moi en tant que directeur de département. Alors que, voilà, dans d'autres projets, on va parler de care manager, de case manager, dans d'autres secteurs de coordination. Vous disiez, le médecin généraliste joue ce rôle de coordinateur, oui. Et donc, je pense qu'il serait temps aussi pour ce métier, pour être réellement reconnu, de lui trouver un nom, même s'il doit être un peu anglophone et répondre à tout le monde, tant au nord, au sud et à Bruxelles. Mais d'avoir vraiment cette fonction, cette plus-value. Il y a des projets, le projet Boost, où il y a effectivement eu cette fonction. C'est un copier-coller de la fonction de coordination qui est faite dans les secteurs du domicile. Et donc, ne pas recréer en fait des choses qui existent déjà, s'appuyer sur les expériences de ce qui existe pour en fait renforcer tous ces métiers qui existent déjà. Et je crois que j'ai fini pour ma partie. Peut-être si je peux. Oui, il y avait encore une question sur la pyramide des âges. Je ne l'ai pas en tête, mais on peut prendre le temps de le faire. Si je prends juste la pyramide d'âge, en tout cas de la SD, mais je pense que c'est la même au niveau de la CSD, qui sont deux gros services. La pyramide d'âge, je crois qu'on a une moyenne d'âge de 45 ans. Donc, voilà, donc clairement, on a beaucoup de travailleurs âgés. Et les maladies de longue durée, effectivement, dont on parle, ben, c'est clairement, au plus on avance dans l'âge, au plus ça devient difficile. Et donc, la question, la pertinence, on en discute aussi avec les représentants des travailleurs, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les personnes aussi et qu'est-ce qu'on peut aménager. Et là, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas une piste miracle, mais on la cherche.
Moi, je vais juste compléter le propos de mon collègue ici par rapport au Covid et au travail de première ligne qui a été effectué. Comme il l'a bien dit, les aides familiales ne se sont jamais arrêtées de travailler pendant toute la période Covid. Au début, elles ont travaillé sans protection jusqu'à ce que tout soit mis en place pour qu'elles puissent avoir les protections adéquates pour aller chez les bénéficiaires. Elles ont eu un soutien à 100% de la part de leur directeur de service, qui ont toujours été à l'écoute pour essayer de faire en sorte de les motiver à rester en place envers et contre tout. Et malheureusement, le plus grand taux d'absentéisme qu'on a rencontré, c'était plus après la période Covid que pendant la période Covid, parce qu'il y a toutes les retombées et les conséquences de ce Covid-là. J'ai encore eu les chiffres d'un gros service qui parlait d'un taux d'absentéisme de plus de 7% qui n'avait jamais été atteint dans ce service-là. Et au niveau des âges, justement, on parle d'un vieillissement de la population au niveau des aides familiales d'ici à 2030. On parle d'un départ à la pension de beaucoup, beaucoup d'aides familiales. Et donc, on essaie de trouver des solutions pour attirer de nouveaux profils et des personnes un petit peu plus jeunes dans le secteur de l'aide à domicile. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de métiers en pénurie. Si je prends par exemple le cas de la Wallonie, le métier d'aide familiale est clairement un métier en pénurie. On va arriver exactement à la même chose ici sur Bruxelles si rien n'est fait. Donc voilà, merci. Impressionnant d'avoir répondu à toutes ces questions. Juste trois choses. Je pense qu'en effet, sur la réforme hospitalière, il y a quelque chose qui n'est pas pensé au niveau du domicile. Les hôpitaux réfléchissent beaucoup pour l'instant sur la réforme, mais la connexion ne s'est pas encore faite. Et ça, c'est important parce que qui veut dire durée de séjour limitée veut dire une plus grande importance du domicile. Il y a la question de l'hospitalisation à domicile, il y a la question de la digitalisation, notamment des enjeux de télémédecine, etc. Et là-dessus, nous, on doit faire partie de la réflexion. Sur l'alimentation, alors oui, l'élément culturel, il y a la question halal, pas halal, etc. etc. Donc il y a, tout ça est réfléchi. Ce qui nous, pour l'instant, nous travaille beaucoup, c'est la question d'accessibilité financière. On a dû augmenter les prix des repas à domicile. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le nombre de bénéficiaires n'a pas diminué, mais le nombre de commandes a diminué. Donc ce qu'on remarque, c'est que des gens, avec un plat, ils tiennent 2-3 jours. Et ça, cette question d'accessibilité financière des repas à domicile n'est pas très peu posée au niveau régional. Et on n'arrive pas à savoir qui s'en occupe en termes de compétences. Sur la question de la vulnérabilité de la liste d'attente, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce contingent amène un mécanisme, et c'est la même chose pour les infirmiers à domicile, très productiviste. Donc, c'est-à-dire, on remplit des heures, on remplit de l'acte pour les infirmières. Et donc, peut-être que les vulnérabilités, notamment pour notre équilibre financier, on doit remplir nos horaires d'abord, et puis après, peut-être réfléchir sur les questions de vulnérabilité. Et ça, c'est un effet vicieux du système de contingentement et du système fédéral par acte au niveau infirmier. Voilà, je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Non, encore. Je vais juste, rebondir d'abord sur la question des repas. Je ne sais pas si partout, mais je pense les aides familiaux préparent aussi des repas. Et donc, on a des bénéficiaires qui demandent s'il y a la possibilité d'avoir quelqu'un de leur propre culture qui peut venir faire des repas à domicile. Et je sais que c'est possible. Enfin, voilà. En tout cas, quand on s'est rencontré ces demandes-là, je sais que les assistants sociaux qui gèrent les équipes essayent de répondre s'ils le peuvent favorablement à cette demande. Je voudrais également rebondir sur l'accord du patient. Vous posiez la question tout à l'heure de finalement quelles sont les différentes raisons de ces refus. Elles sont multiples. Donc, soit le bénéficiaire ne veut pas des aides et des soins, il préfère gérer seul ou faire appel à quelqu'un de sa famille, quelqu'un qu'il connaît. Il y a aussi de pouvoir accepter aussi à un moment donné. Il y a des personnes pour qui il faut un peu de temps d'accepter une perte d'autonomie, d'accepter que quelqu'un intervienne chez eux et fasse à sa place un peu des choses qu'il ne sait plus faire lui-même. C'est comme un deuil, ça prend parfois un peu de temps. Les raisons sont vraiment multiples par rapport à ça. On parlait également des listes d'attente des aides familiaux, des aides ménagères, etc. Au-delà de ce qui est dit,
je pense qu'on travaille tous et toutes, vraiment, on essaye de collaborer sans cette logique concurrentielle. Et donc, selon le degré d'urgence, selon la demande, selon les possibilités et les disponibilités des services, on est les premiers à référencer d'autres collègues, d'autres services auprès d'une personne, d'un patient qui en a besoin. Donc voilà, je voulais juste le dire parce que ça me semblait important dans un secteur d'aide et de soins de dire qu'on ne garde pas la demande à tout prix, voilà, pour pas qu'elle soit transmise à un collègue. On ne se considère pas comme concurrent, je pense. Par rapport, et là j'aurais peut-être besoin d'un complément, je vais juste peut-être parler pour le centre de coordination, mais vous posez la question du partage et du secret professionnel. En tout cas, au niveau de la coordination, je vous laisserai peut-être compléter pour les autres services. Au niveau du centre de coordination, rien ne se fait sans l'accord du bénéficiaire et du patient. Donc ce qui se dit, ce sera avec son accord, ce qui est échangé, voilà, et toutes les professions vont respecter à leur degré le secret professionnel, etc. Mais donc, il y a vraiment une veille des coordinateurs, des responsables de services à faire très attention sur le moyen de communiquer, les emails, ce qu'on peut mettre maintenant. Enfin, voilà, on a tous et toutes dû mettre en pratique ce fameux RGPD. Et c'est une attention qui est constante, en tout cas dans les différents services. C'était juste parce que je trouvais que la question était intéressante. C'était par rapport à l'articulation, le médecin traitant, le CPS et le coordinateur. En fait, au tout début de la prise en charge, le coordinateur va prendre contact avec vraiment les différents intervenants. Et en fait, très vite, les rôles de chacun vont être définis. Et cette articulation, quelque part, va se faire de manière tout à fait naturelle. Le coordinateur va soit lui-même s'identifier comme le référent et comme le réceptacle des différentes informations et le diffuseur, quelque part, d'informations. Et ça, il y a très peu de points d'achoppement, de points de conflictuels par rapport à ça. Je veux dire, la place de chacun est vraiment tout à fait définie dès le départ et ça permet justement de fluidifier la collaboration et de vraiment cultiver ce travail en réseau au quotidien. Voilà, merci. Oui, c'était juste pour dire par rapport aux échanges de communication, on a des réunions aussi avec Abrumet pour voir au niveau du réseau santé bruxellois ce qui peut être fait. Il faut savoir que les données médicales, c'est quelque chose de très cloisonné, fermé. Et donc, on est en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, en tout cas au niveau... Parce qu'on parle ici de nos travailleurs salariés, il y a toute une série d'autres personnes indépendantes qui vont à domicile. Et donc, quelle plateforme on pourrait avoir sécurisée pour pouvoir échanger et que les médecins généralistes et autres pourraient avoir accès, et nous, accès à une certaine partie, plus domicile ou autre. Voilà. Voilà. Au niveau des aides familiales, on a mis en place une formation en déontologie éthique professionnelle pour justement garantir ce travail de secret professionnel qui est fait en amont par les assistantes sociales, par les directions et tout le personnel. Et donc, on a bien mis l'accent sur le fait qu'à partir du moment où ces aides familiales et ces aides ménagères rentrent dans la vie privée de ces patients, ou de ses bénéficiaires, il y a tout un secret professionnel qui doit être garanti pour éviter toutes les discussions sur WhatsApp, toutes les discussions par mail, les photos prises, etc. Et tout ça, on l'a fait en accord avec nos différents services affiliés et on l'a mis en application dans nos formations. Donc, tout est vraiment fait en sorte pour que le secret professionnel soit garanti à chaque niveau de travail. À cela s'ajoutent d'autres formations, hein, des boîtes à outils, notamment en psychopathologie de la personne âgée, qui peuvent permettre aussi à l'aide familiale de détecter ou de s'apercevoir d'une dégénérescence mentale ou physiologique au niveau des personnes âgées, des bénéficiaires. Donc, disons que le premier relais d'information, c'est plutôt dans l'autre sens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, c'est-à-dire que c'est l'aide familiale qui, par le biais de la communication, par le biais des réunions hebdomadaires, notamment avec les assistants sociaux, peut avertir par effet cumulatif le médecin à un moment donné, et le médecin peut s'apercevoir de difficultés de la personne. Donc il y a un travail, il y a toute une constellation de personnes qui agissent et travaillent autour de la personne âgée et amènent des informations qui peuvent être utiles à lutter
notamment contre l'isolement, qui est différent de la solitude qui peut, elle, être choisie, mais qui peut aussi aller au-delà de ce que le médecin pourrait faire dans une simple consultation. Donc il y a une information qui lui parvient, et en fonction de celle-ci, effectivement, la coordination reste entre les mains du médecin qui a cette compétence. Voilà. Oui, madame, j'ajouterais même que pendant le Covid, justement, puisqu'on en parlait, c'était extrêmement important, parce que les médecins n'allaient plus, ne se déplaçaient plus pour voir leurs patients, et donc souvent les informations venaient des aides familiales qui étaient les seules présentes sur place. Voilà. Alors je voudrais juste savoir si quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole. Qu'il y a eu les réponses, mais peut-être il y a eu les questions des parlementaires, mais peut-être que dans la salle, il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole, dire quelque chose. J'ai entendu que sur le PSSI, ça nécessitait plus de temps que ce qu'on a actuellement. Et donc, justement, ça peut faire l'objet d'un des suivis en commission, c'est-à-dire de réinviter le secteur et de prendre du temps pour toutes les questions que les députés ont sur le PSSI par rapport à l'impact sur le secteur et la réflexion. On a bien vu le slide sur la territorialisation, etc. Je pense vraiment que ce n'est pas en 3 minutes qu'on va pouvoir aborder ça en profondeur. Mais par contre, je pense que les députés sont intéressés à approfondir cette question. Donc je ne doute pas que ce sera sans doute un des premiers points de suivi qui se fera en commission. Voilà, je vous propose dès lors d'en terminer là pour ce matin et de se retrouver autour d'un sandwich dans la cafétéria. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les organisateurs de cette matinée parce que c'était vraiment très, très intéressant, très complet. Donc vraiment, merci beaucoup. Les témoignages, je pense que c'est fondamental pour les députés. Et merci aux services, évidemment, du Parlement d'avoir encadré tout ça de la meilleure manière. Donc, merci et à tout prochainement.